Oui, c'est demain. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de tous les jours le 20h minuit avec le serveur altislifefrance.com avec Dédé, le policier le plus dingue du serveur. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité, merci de votre présence et je tenais à remercier les donateurs de cet après-midi car grâce à eux nous avons atteint l'objectif du siège gaming qui est atteint depuis cet après-midi. Voilà, le siège est acheté, le siège est commandé, il arrivera la semaine prochaine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le fond vert est mis en objectif de donation afin d'améliorer la qualité du fond et de l'image. Et après l'acquisition, merci à vous tous. Donc programme de la soirée. Salut Elias, salut Baxter, bienvenue à tous. Résumé de la soirée, promotion dans la police, voilà, c'est le jour des promotions. Le jour où certains seront nominés à des postes différents et à un grade supérieur ou pas. C'est aussi le jour des dégrades. Et suite au départ cette semaine de quelques hauts officiers et d'un général, est-ce que le gouvernement a décidé de faire passer des dés ou pas? Nous le serons. Maintenant, bon allez, bon live à vous, merci à tous, n'oubliez pas de partager la chaîne, n'oubliez pas de follow la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube pour voir le gameplay et les lives, et bah amusez-vous bien, éclatez-vous comme je m'éclate, c'est l'essentiel, bon allez, bon live à vous, et c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur le chat. Allez, faites vibrer le chat aussi, c'est essentiel à la vie de la chaîne, faites vibrer tout le monde, faites vibrer tout ce que vous voulez. Et là je vais mourir, voilà. Allez, c'est parti, bon live.
Excusez-moi, j'avais un coup de fil à passer. Excusez-moi, j'avais un coup de téléphone. Oh, il reste 10 minutes. Bon, inspection. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Quoi? J'ai vu la lumière, je suis arrivé, et je sais pas qui je suis. Toi, t'es qui, toi? M'en fous. Kyle Leblanc, c'est toi? Pourquoi tu t'appelles Leblanc si t'es bien noir? Bon, ok. De toute façon, toi, j'ai pas envie de toi. Ouais. Quoi? Monsieur? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que vous faites? Mutinerie! Mes hommes, à moi! Arrêtez-le! Ah, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bon! On reprend alors, dans ce cas-là, il y avait un problème apparemment. Bon, toi le dernier, j'ai pas envie de te parler. Hop. Scartfield. C'est dommage que tu te sois viré. Cooper, Erwan, Yoga, El Diablo, Cervantes. Et là, c'est moi? C'est pour moi ici, c'est ça? C'est pour moi la place, là? Pourquoi il y a un espace, là? D'accord. Ah, il y a deux unités différentes. Il me semble bien qu'on avait bien dit que le Sierra LCPA devant, Viper à gauche et Cobra à droite. Bah, moi, je dis ça, je dis rien. Hein? Les leads. Ouais, bah, c'est ça. Bah, ouais, je vois ça. Ah! Sylvano, ça va ou quoi? T'as survécu ou quoi? Ouais, d'accord. Ouais, c'est sympa. Putain, mais t'es qui, toi? T'es un rebelle ou quoi? Et tu viens prendre l'entretien? Habillé comme ça? Dans ton vestiaire. Bah t'as un drôle de vestiaire, mec. Hein. Ouais, ta gueule. Ah bah laisse-le, c'est pas grave. Salut Bob, ça va ou quoi? Oh, ta vie toujours aussi... Et messieurs de la sécurité civile, et monsieur le ministre, voilà, parfait. On a encore 10 minutes, c'est ça? On a encore 5 minutes? 8 minutes, ah! Bon! Il me semble que j'ai demandé à certains d'entre vous de préparer un poème à mon effigie pour sanction la semaine dernière. Au vu des événements et de la banque, je n'ai pas pu appeler cette personne. J'aimerais qu'elle se présente à moi maintenant. Ok, cette personne est virée. Viper? Qui a dû me citer un poème à mon effigie la semaine dernière? D'accord. Donc vous vous en foutez de votre escouade. C'est très bien. Cobra! Il y a Cobra. Cobra il est là, d'accord. Salut Cobra, ça va? Il est content. Alors Gambino, c'est toi le patron? D'accord. Ah, t'as à droite. C'est qui? Putain, mais t'es chinois, Kanamo, en fait. Oh, putain, moi, j'ai l'air, faut vraiment faire quelque chose contre l'immigration irrégulière dans cette police. Parce que... J'ai l'impression de voir la télé en couleur. Ouais, je sais. Raciste. C'est dommage. N'Golo? Ah oui, N'Golo. C'est N'Golo. Il est là, N'Golo, ou pas?
Bon, viens voir, toi. Pourquoi tu me traites de raciste, là? Ouais, c'est ça, ouais. Fais un pas en avant. Fais un pas en avant, je sais. Tu m'aimes bien, Ngolo? Bon, allez. Cite-moi un poème, t'as 30 secondes. Ah bah, tu mets de la musique si tu veux. Non! Mais je suis pas un poète. Excusez-moi. Excusez-moi, OBS qui C'est était... OBS qui avait coupé le son. Autant pour moi. Et ma modératrice m'a pas prévenu, donc forcément, j'ai pas pu voir tout de suite. On n'entend pas les autres parler. Ok, mais de toute façon, ils ont rien dit, je vous rassure. Ils ont juste fermé leur gueule. Alors, N'Golo? Ah, c'est moi qu'on attend là. Bah oui, un petit peu là quand même, hein. Général, combien de temps il D'accord. reste? 5 minutes. 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Très bien. Oh, Dédé. Rigolez pas. Rigolez pas là. Oh, Dédé. Dès que je vous ai vu, mon cœur s'est mis à vibrer. Oh. Vous m'avez tasé et je ne l'ai pas regretté. Oh, Dédé. Plusieurs fois j'ai bandé. À À chaque force de fois. te regarder. Oh Dédé, Oh Dédé. laisse-moi te regarder une dernière fois. Oh Dédé, Hmm? laisse-moi te dire que tu vas nous manquer. Oh Dédé, laisse-moi te dire quoi? J'ai envie de te... Que tu me foudroyer. Que j'ai envie. T'es un génie. T'es un génie, N'Golo. Pour la peine, je te vire pas. Alors que j'avais prévu de te virer. Bon. Laisse-moi d'être de chance, celui-là. Faut faire quelque chose, mon Quoi, il général. est même Hein. pas viré? On regarde les épicés, quoi. C'est quoi ça maintenant? Ça, c'est un aéroport, la bécote. C'est à moi maintenant. Dis à ton frère que c'est pas possible. Dernier arrivé, toujours au commandant. Bonjour. J'ai compris que maintenant, quoi. Déclaration d'amour, ouais, grosse déclaration. Bonjour tout le monde sur le chat, merci, désolé pour C'est le bizarre son. quand même. Hein. OBS m'a coupé le son du jeu, j'ai pas fait attention, excusez-moi, et ma Les modératrice miens, m'a pas regarde quand même leur prévenu. tête. Donc, photo Lapinou, donc j'ai dissous la team Lapinou de la chaîne. Non? Wesh, wesh, canapèche, wesh, tout le monde. Merci, chapeau, bienvenue, bienvenue, Popo. Bienvenue, Popeye, 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 à toi, merci à toi. Voilà. Ouais. Trente. Bon alors Cédric, on commence par quoi? Bon, on va commencer par les unités parce que vu que la seule fois qu'ils viennent aussi nombreux c'est le jeudi, on va commencer par là. On s'est parlé un peu. Je vois qu'il y a un policier qui arrive. Ouais, ça va, il y a encore 2 minutes. Il y a un type à la grille, autant c'est un flic. Ouais, charmant, hein. C'est moi, il est chinois. Non, je connais pas. Watson? Quoi? Regarde. J'ai l'impression. Il y a ce mec-là, oui, si t'as vu. Oui, avec une caméra maintenant. Bon Dieu, Simon. Bon Dieu, Octavia. Bon Dieu. Octavia. Robinson Crusoe. Ah, ouais, quand même. Octavia. Non, c'est le général qui s'appelle devant toi là. Ouais. Tu peux aller dire avec tes gros bras au mec là-bas de dégager? Quel? Papy Joyce. Bienvenue, Papy Joyce. Bienvenue à toi. J'ai pas vu, excuse-moi. Ah.
arrive. J'ai un petit peu peur là. Peut-être qu'elle a les plus gros bras. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Qu'elle nous le balance pas. Et on recrute des prolos chez Viper, c'est ça? Bon. Il a des beaux cheveux. Cédric? Ouais. T'as vu ça là? Ouais, j'ai vu, ouais, mais c'est pas normal d'ailleurs. C'est pas très normal ça. Bon, on commence ou on commence pas? Comme tu veux. Deux minutes? Bon, allez! Est-ce que vous êtes chaud sur le chat? Je veux tout le monde qui mette un petit mot sur le chat maintenant! Est-ce que vous êtes chaud pour casser du vent? Faire chier les gens, ça peut être tout. Comment ça fait? Ouais, ça fait quoi d'avoir de l'autorité sur un serveur? Je fais rien du tout. Ça cherche pas ma vie, les gars. Allez, vous êtes nombreux, c'est parti. Ok, mon général, vous permettez. Allez, c'est parti. Je suis coma si je fais ça. Est-ce que je suis coma si je fais ça? Pour l'ensemble, mon commandement, garde à vous. Vas-y, assieds-toi si je te fais chier. Commence mal, le rebelle, au fond, là. Messieurs, aujourd'hui, jour de promotion. Aujourd'hui est une journée où beaucoup d'entre vous seront heureux, mais également déçus. J'ai pas dit repos pour information. Donc, soyez fiers d'être policiers. En général, monsieur le ministre, police d'Altis rassemblée à vos ordres. Repos. Bon. On aura quelques petites annonces à vous faire, mais on va déjà laisser la parole au chef d'escouade. Alors oui, on va commencer par ça d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont mes notes? Le sous-lieutenant Hawkeye passe donc lead d'escouade Viper. Son assistant sous lead, c'est l'adjudant-chef Dumas. Suite au départ précipité d'un général et d'un commandant qui était responsable de l'escouade CPA, c'est le capitaine Cervantes et le sous-lieutenant Diablo qui prennent le lead donc de cette escouade. Concernant Cobra, Kanamo et son sous-lead, je sais plus qui l'a désigné, donc prennent Cobra en main. Salut à tous sur le chat, c'est comment Gambino, vous allez? 36 joueurs aujourd'hui, jour de promotion, pas mal, vous êtes très nombreux sur le chat aujourd'hui, ça fait plaisir. Allez, si vous mettez tous un petit mot, on va débloquer vos badges. Pour les... rejoint donc les escouades pour reprendre le lead. Stevers gardera donc sa place de sous-lead. Et je crois que j'ai fait le tour. Ok. Je vais donc laisser la parole à Cobra en commençant, tiens. Après. Bon allez, pour tous ceux qui sont sur le chat, général, mon commandant, à toute cette communauté qui est présente, bon. Qui est présente depuis maintenant 2 mois sur le serveur. Si vous me mettez tous un petit oui, un petit coucou, un petit bisou, un petit smiley, s'il vous plaît, messieurs. Je vous assure que cette communauté débloquera quelque chose de magnifique sur Twitch. Que vous pouvez me présenter vos pièces, je vous le dis clairement. Si tout le monde met un petit point, un petit vous smiley ou quoi que ce soit maintenant, vous débloquerez à cette communauté un nouveau bisou. Bisou. De formation avant les quand même. Merci Lewin, c'est sympa. Un petit cœur, un petit quelque chose. Il y en a que j'ai pas reçu là. C'est qui le dernier que j'ai pas reçu là? Monsieur là, à droite. Andrés de Fonolosa, mais il veut pas. Andrés de Fonolosa, très bien. Du coup, messieurs, donc vous êtes les 4 et vous êtes présentés, le reste on pas pu. Sur les 4 présents, il y en a que 3 qui ont été retenus. Donc la personne qui n'a pas été retenue, je vais vous laisser vous avancer une fois que j'aurai cité votre nom. Et vous serez raccompagné par l'adjudant Gambino à la porte. Donc j'ai le regret de vous annoncer, monsieur Fonolosa, que vous n'avez pas été retenu dans la police. Allez-y les gars, faites donc, voilà. Vibrer ce putain. Une bonne continuation et je vous laisse faire accompagner. Au revoir. Pour les 3 nouveaux, du coup, bienvenue, ouais. Félicitations. Vous êtes accepté pour une durée d'une semaine. Donc vous êtes en test, faites-nous vos preuves. Et si tout se passe bien, vous allez pouvoir continuer. Je vous laisserai prendre votre plaque à la fin de la cérémonie. Et je vous laisse vous remettre. Merci à tous de jouer le jeu.
Alors pour l'ensemble des cobras, durant cette semaine, voilà, il va falloir qu'on fasse attention un peu aux communications. Quand il y a un ordre qui est donné, par exemple, un ordre ou bien une directive. Donc voilà, grosse. Bon, pour la petite information, maintenant que j'ai un peu le temps avec vous là. Donc ce soir, cérémonie de remise de galons, reprendre un petit peu. C'est assez pénible de se répéter. Un petit peu remettre les choses en place aussi, ça permet. Plein de bisous à toi et de courage. Merci, mon petit papy. Ça fait plaisir. C'est terminé. C'est moi ou ta modératrice est chez toi. Non, c'est pas toi, elle est bien chez moi. Elle est juste là à côté. Elle est affalée sur le canapé. Vous allez pas vous absenter pendant qu'il y en a qui essayent de venir et qui ont eu juste 5 minutes de retard. Donc du coup voilà, on en profite aussi pour faire des mises au point. On va retravailler comme ça en interne. On a fait avancer le serveur aussi au niveau RP. Donc il y en a qui le savent, je suis très con là-dessus. Cependant, plus si que ça, 5-6 à 20 je suis très dur avec les gens là-dessus. Parce que je veux pas qu'ils se cassent la gueule au moment où la mise à jour va arriver. Parce qu'ils auront des gros soucis. Donc ceci sur le serve s'ils ont pas d'RP. Certains, voilà. Des petites remarques qui peuvent être désagréables pour certains, je veux plus les entendre. Non, la prochaine fois que j'entends, simplement ça sera un avertissement, j'en envoie une deuxième, ça dégage. C'est même pas un dégrade, ça dégage. Parce que ça plombe l'ambiance, et ça met le moral à zéro à certains. Ça permet des choses là déjà, ça dérange un peu ça. Pourquoi est-ce que pour eux ce serait pas obligatoire et pour tout le monde... Attends, il est pas là Ramsey. Oui Ramsey, je voulais vous avancer. Il vient de dire que c'est pas obligatoire ça. Il est terminé, il n'est plus obligatoire. Ah. Alors, c'est pas ça. Non, pas trop long. Alors, du coup. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, merci à tous. Si vous voulez revoir les lives, hésitez. Ça va être désagréable pour certains. Non, je suis en voix faible. Travaillez ça. Non, je suis en voix faible. Sinon, continuez comme ça et attention quand vous conduisez. Bon, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, si vous voulez revoir les gameplays, les lives que vous avez ratés, il y a YouTube, point d'exclamation YouTube. Je vous invite à vous y abonner. Si vous voulez faire des jeux communautaires avec nous, avec les followers, les abonnés, les viewers, les donateurs et tout ça, vous avez le Discord de la chaîne qui est là pour ça, pour créer des squads sur R6, Apex, CSGO, LOL et tout ça. Et naturellement, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez follower la chaîne pour ne rien rater. Merci à vous de votre présence, ça fait super plaisir. Merci à tous. Merci, lieutenant. Bravo. Bravo. Du coup, on peut retenir dans le rang. Santiago. À tout à l'heure, Lucas. Bonne douche. Ça fait plaisir. SP, pardon. Alors, moi, je vais faire propos. Moi, je vais manger une pomme. Vous avez fait... Alors, moi, je vais faire un bisou à ma femme. C'est arrivé de rien à dire. Alors, moi, je vais me torcher le cul. Très bien. Essayez de parler un peu plus. Moi, je sais que le soir vous avez du mal. Essayez de vous montrer plus présent. Plus voilà, être plus présent, parler plus avec vos coéquipiers. Ça mettra une meilleure ambiance. Vous êtes très sympathique, mais vous parlez pas assez. Bah, merci Slo, et toi, comment tu vas? Merci d'être présent, merci à tous. Comment allez-vous, la famille Dédé? Bah, tout le monde va bien. À savoir, j'étais sur l'île, mais suite à un souci, j'ai quitté l'île. Ah, bah écoute, j'espère que rien de grave et j'espère que tu pourras revenir parmi nous. Très très rapidement, mon petit papy. Brigadier Obamo. Repos. Du coup, pareil, très bon élément, rien à dire. Lille pareil ou Lille. Pour les horaires, d'être très présent. Super, j'attends de savoir si je suis viré de Sierra. J'ai rien à dire de plus, si ce n'est que pour les communications. Faites attention à bien faire les comme merci, bienvenue à toi. Bon, alors vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de notification, c'est qu'il y a un petit problème avec le serveur des notifications. Il y a un petit souci, c'est pour ça qu'il les affiche pas. Mais il n'y a rien de grave. Prenez dans le rang. Adjudant Rio. Merci à tous de vos follow, merci et bienvenue sur la chaîne Springfield TV, la communauté d'ALF et d'R6 et tout ça. On peut écouter s'il te plaît. Rien à dire. Si ce n'est que, voilà, attention à vos petits problèmes que vous pouvez avoir qui vous font partir à 22h. T'es en train de me dire, ferme ta gueule en fait. C'est assez pénible en fait. Bon allez, tu me le balles. Ici, c'est pas toi qui fais la loi, c'est moi. Donc, ciao. Vous restez au grade d'adjudant pour l'instant. Vous pouvez retourner dans le rang. Respect. Bon. Adjudant Scott. Mais respect, mon lieutenant. Respect.
Du coup, pour vous, ça s'est nettement amélioré depuis le début, sur les choses que j'ai pu vous faire part. Attention quand vous cassez aussi. Un peu de sérieux quand alors, attends, vous partez trop, votre endroit rigolade, peut écouter, s'il te plaît, on peut écouter son game. C'est de retrouver rapidement votre sérieux. Alors, salut, est-ce qu'on pourrait écouter, s'il te plaît, d'accord? Je suis pas quitté, toi. C'est plutôt bien. Et la prochaine remarque dans ce genre-là, tu dégages. Une façon de parler des fois qui peut être pareil aussi désagréable. Donc essayez de dire au médier. Et sinon continuez comme ça, mais vous restez pour l'instant au grade d'adjudant. Bien pris. Merci mon lieutenant. Il est terminé l'adjudant, Gambino. Respect mon lieutenant. Ah, oui, effectivement, que je viens de dire là, c'est... on t'a offert un sub, c'est Infinity Gugu qui te l'a du coup, du Dan Gambino, ben pour vous, tout se passe bien. Attends, j'entends rien. Extrêmement bien. Rien à dire. Et que vous êtes provenu d'une grade d'adjudant chef, continuez comme ça. C'est vraiment, vraiment du très bon travail. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir comme celui. Bravo. Vous pouvez retourner dans les rangs. Merci. Il y a quelque chose sur Kanamu, du coup, pour les squads Cobra. Mon général, monsieur le ministre et mon commandant, j'en ai terminé. Merci à toi. Tu peux retourner dans le rang. On va continuer avec CPA. Mon commandant, mon général, monsieur le ministre, mes respects. Bon. Hop, du coup. CPA. Je veux voir la recrue Scarfield devant moi, s'il vous plaît. Respect, mon capitaine. Respect. Bon, alors, cette semaine d'intégration, comment ça se passe? Plutôt bien. Bah, l'équipe m'a vraiment plu. Après, je suis déçu du départ des leaders, mais ça n'a pas entamé ma détermination. Quelques maladresses de ma part, mais je vais faire mon mieux pour les corriger. Maladresse, bien sûr, tu acquériras l'expérience dans le temps. Hein. On rend recrue, hein, on peut faire des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, ça arrive. Cependant, le but c'est de ne pas les reproduire. Donc, félicitations Scarfield. Ah, je préfère. Rang de brigadier et il te reste encore une un semaine. Un peu plus et tu étais banni, je te le dis. Ok. Je vous remercie, mon capitaine. En attendant, au niveau de tes heures, c'est très bien. Tu fais un bon travail. Donc, continue comme ça. Merci, mon capitaine. Brigadier Cooper. Capitaine. Cooper. Tu étais en pause cette semaine? Pas des petits problèmes. Ouais. Non, je suis pas déprimé. Parce que du coup, tes heures, c'est un pas peu du tout. Rien, quoi. C'est que je vous laisse. J'écoute ce qui se dit en fait. Et à 11, 12, 12 heures. Parce que je veux savoir qui est up, qui est down. Cependant, oui, effectivement, tu as des problèmes, tu m'en avais parlé. Donc on va pas en tenir compte cette semaine. Par contre, je peux pas te up. Hein. Je peux pas te up cette semaine. Donc on verra la semaine prochaine pour un up potentiel. Sinon, au niveau de ton attitude, c'est très bien. Rien à signaler à ton niveau. Continue comme ça. Et par contre, je te valide CPA. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, peut-être même ce soir, ce serait bien que tu prennes les CPA lead un petit peu. Tu as vu comment fonctionner. Maintenant, tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Si tu as des problèmes, n'hésite pas, nous on est là, on pourra t'aider. Mais ce serait bien que tu commences à travailler un petit peu en autonomie pour gérer les squads. Du moins pour gérer les OP, d'accord? Merci mon capitaine. Allez, tu peux retourner en rang. Yuga, devant moi, s'il te plaît. Du coup, Yuga. Yuga, bah pareil, tu as une. Tes heures sont nickel. Tu as toujours une bonne motivation, ton pilotage s'améliore, même le CPA lead. Le CPA lead depuis quelques semaines, là ça s'améliore, c'est propre. Continue comme ça, et aujourd'hui, félicitations, tu es promu au grade d'adjudant-chef. Bien entendu ce que je t'ai dit, Yuga. Yuga. Oui. T'es passé à deux doigts de ton grade là, hein. Oui, excusez-moi, mon capitaine. Ouais, bon, fais attention. Donc, continue bon, oui. Comme ça, et tu pourras aller très loin, ok? Merci, mon capitaine. Allez, retourne dans le rang. Lieutenant Diablo, devant moi. Merci, mon capitaine. Lieutenant, du coup,
Pour toi, de toute façon, c'était déjà prévu, mais bon, le général m'a devancé un petit peu. Donc oui, effectivement, à partir d'aujourd'hui, tu seras à mes côtés pour lead l'escouade. Donc à partir d'aujourd'hui, je te mets à mes côtés donc en tant que sous-leader CPA. Pendant une semaine, tu vas faire tes preuves. Hein. Je vais t'évaluer, je vais t'observer un petit peu pour voir comment tu fonctionnes. Félicitations à toi pour ce grade. Hein, ce grade de sous-lead CPA. J'espère que tu comprendras qu'il y a quand même beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Et j'espère pour toi que tu auras l'étoffe pour. Mais j'en doute pas. Okay. Tu peux retourner dans le rang. Bah, Mathieu Schild, il parle pas en fait. Est-ce que Vinny Albertino il est là? Oui, mon lieutenant, mon capitaine. Approchez-vous, s'il vous plaît. Bon Vinny, respect mon capitaine. J'ai cru comprendre que tu allais être du coup muté dans le CPA, c'est ça? C'est ça mon capitaine. Ok, est-ce que toi déjà tu as envie de venir dans le CPA? Bien sûr mon capitaine. Est-ce que tu es prêt à gravir les cieux, à parcourir les cieux avec tes nouveaux camarades? Bien sûr que mon capitaine. Bien. Donc bien sûr. Donc moi, pas de soucis, je t'accepte. Par contre, il y a plusieurs conditions qui rentrent en compte. Donc tu vas faire tes 2 semaines de test, comme tout le monde. Donc 2 semaines de test au sein du CPA. Donc pendant ces 2 semaines, je vais t'évaluer. Diablo va t'évaluer. On va t'observer, on va voir un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu gères le pilotage, comment tu gères les situations de combat en hélico. Pendant ces 2 semaines, tu vas pas up, parce que tu es en poste. Pas du tout, Lucien. Donc, charge à toi de montrer ta motivation, ta rigueur. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu vas devoir du coup passer ta formation de pilote. Ouais. Donc, on verra ça certainement ce week-end, ok? Sinon, voilà, écoute, félicitations, bienvenue dans le CPA. Merci mon capitaine. Donc, du coup, Vinny, je vais te laisser te mettre à côté. De Tommy. Suivant, du coup, j'en profite pour basculer vite fait sur les formations TE. Et cette semaine, il me semble qu'il y a 2 personnes qui ont passé les formations TE avec notre ancien Major Lansky. Est-ce qu'elles sont présentes, ces 2 personnes? Affirmatif, mon capitaine. Donc les 2 personnes qui ont passé leur format cette semaine, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Bien. Respect, mon capitaine. Mes respects, messieurs. Du coup, pour vous deux, vous avez passé votre formation TE. Alors déjà, il y a un truc qui va pas, si vous êtes brigadier, vous avez passé votre formation TE. Mais si, mon capitaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Affirmatif, bon. C'est un gain de temps. Un gain de temps, ok. Du coup, bah, je vous annonce que vos formations TE sont validées. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez votre formation. Donc bien sûr... Vous respectez ce que l'on vous a appris. Donc on évite de rusher en pleine pampa avec un lynx, RCO, MIR, etc. Hein, ça part d'une logique. Manière, Sierra, je sais que ils sont assez expérimentés dans le sniper pour éviter de faire ce genre de choses. Mais bien sûr, si je vous vois faire un défaut, des sorties de route avec votre format, je vous la retirerai. Hein. Vous devrez la repasser. D'accord. Affirmatif. Mes primes. Je compte sur vous pour rester sérieux. Mon capitaine, si ça peut vous rassurer, ils ont passé la formation, mais ils n'ont pas, tant qu'ils n'ont pas l'ordre du leader Sira, ils n'ont pas l'autorisation de l'utiliser, tant qu'ils n'ont pas leur grade. Très bien, Stevers, très bien, parfait. Ça me va alors. Ok, donc c'est bon pour vous, messieurs? Bien pris. Affirmatif, mon capitaine. Donc félicitations pour votre formation, et puis du coup, je vais vous inviter à retourner dans votre rang. Merci, mon capitaine. Mon commandant, mon général, monsieur le ministre, j'en ai terminé. Alors, pour retourner dans les rangs. Allez, Sierra, à vous. Je laisse la parole au major, au Jeff. Respect, mon commandant, mais respect, monsieur le ministre. Respect. Plus fort. Pardon. Hop, voilà.
Alors, messieurs, j'appelle en face de moi Momo. Alors, Momo, mes respects, repos. Alors, cette semaine, avec ton frère, un excellent boulot, une très bonne présence. Des heures, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'on est largement au-dessus des 20 heures. La semaine dernière, je n'étais pas présent pour valider cela. Et maintenant, tu passes au rang de brigadier chef. Félicitations. Merci, Major. T'en es dans les rangs. Bibi, en face de moi. Alors, Bibi, mes respects. Repos. Alors, cette semaine, de même que pour ton frère, vous patrouillez souvent à deux, c'est ce qui fait votre taf et votre compétence. Vous êtes similaires, faites du bon boulot tous les deux. Arrivez à me remplir et à me trouver des bons indics. Donc, je vois pas de raison de pourquoi est-ce que tu passerais pas pour l'instant. Donc, félicitations, tu passes au grade de brigadier chef cette semaine. À toi de me prouver que t'es capable de mieux pour la suite. Bien pris. T'en es dans les rangs. Merci. Soji en face de moi. Alors, Soji, mes respects. Pour cette semaine, de même que pour les autres, t'étais plutôt présent. Même si j'exige un peu plus de présence, il me semble pas t'avoir vu des masses. Mais bon, sur ce coup-là, je vais juger que je t'ai pas spécialement vu. Niveau de la semaine dernière, pareil, j'ai pas pu être présent, donc j'ai pas pu le faire. Néanmoins, pour cette semaine, tu passes au grade d'adjudant pour tes compétences. Merci, Major. Mais de rien. Et à toi de me prouver la suite pour le grade d'adjudant chef que tu es capable de mieux. Bien pris. Tu peux retourner les rangs. Yo, en face de moi. Aspect, Major. Mais aspect, yo. Repos. Alors pour cette semaine, une activité moyenne, je t'ai vu et tu étais quand même présent, tu faisais du bon taf, t'as pris l'élite quand moi ou Whisky n'étions pas là. Néanmoins, pour l'instant, il faudra un peu plus de présence ou un peu plus d'activité pour estimer avoir un grade au-dessus. De toute façon, ça ne dépendra pas de moi. Je te laisse retourner les rangs. Whisky, bah le lead. Donc, mon général, mon commandant, monsieur le ministre, j'en ai fini pour Syrah. Bon, tu veux rajouter quelque chose, Cédric? Oui, c'est bon. Et bah, suivant, c'est parti pour Viper. Mon commandant, mon général, monsieur le ministre, mes respects. Donc pour Viper, je vais commencer par appeler les deux postulants. Si vous voulez venir devant moi, s'il vous plaît. Il y en a un qui dort ou... Ça commence bien déjà la tenue, maintenant il n'y a pas là. Bon, monsieur Collins, vous avez été admis dans l'unité Viper. C'est un beau jour pour vous, donc j'aurais aimé que vous soyez en tenue pour ça. Hein, c'est quand même un jour important. Donc vous êtes pris au grade de recrue pour une semaine de test, on va vous observer, vous êtes là pour apprendre le fonctionnement de la police, de l'unité Viper, et à l'issue de cette semaine, si votre travail est satisfaisant et que votre évolution est correcte, vous passerez au grade de brigadier pour une semaine de complémentaire de formation. Voilà. Félicitations à vous. Thierry Félix. Allez-y. Bon, mon commandant, apparemment, on a un postulant qui a décidé de s'absenter. Hein. C'est Thierry Félix au bout là-bas. Pas de problème d'être là. Allez, dehors. Syrah, vous le sortez? Donc on va continuer, j'appelle Calibélic. Bonjour.
Respect. Donc Kali, comment s'est passée cette semaine en tant que recrue au sein de Viper? Un début de semaine un peu difficile, avec beaucoup de maladresse, mais je pense avoir un peu redressé le tir fin de semaine. C'est ça, tout à fait. On a remarqué les mêmes choses, mais la semaine de recrue, c'est là pour ça. Hein. Les petites erreurs, c'est faut les faire en tant que recrue. Donc, avec le sous-lieutenant Okai, on a décidé que vous pouvez passer brigadier. Vous avez fait de beaux efforts, de belles augmentations de vos compétences durant cette semaine. Félicitations, vous êtes promu brigadier. Bravo ! Merci. J'appelle le brigadier Cavino. Repos Cavino. Donc Cavino, bonne semaine dans l'ensemble. Vous êtes promu au grade de brigadier chef. À savoir qu'on vous demandera un peu de prendre un peu plus confiance en vous et de vous imposer un peu plus. Sans aller dans l'excès, bien sûr. Voilà, félicitations, vous pouvez retourner dans les rangs. Bravo! Brigadier Maschetto. Mais respect, moi. Bon, il est dedans, je sais. Bon, Maschetto, gros point noir cette semaine, la présence. Vous avez été très peu présent, on n'a pas pu vous juger avec le leader de l'escouade. Ouais. Donc on compte sur vous pour vous améliorer sur une semaine de plus. Pour l'instant, vous restez au grade de brigadier. Ouais. Voilà, vous pouvez retourner dans les rangs. Le brigadier Ivara. C'est pas mon chef. Ouais, c'est fait. Donc Ivar, je vais être rapide pour tout le monde. Vous êtes promu brigadier chef. On compte sur vous pour vous améliorer sur votre contact avec les civils. Faut pas oublier que y a la salle. Correct. Donc continuez à parler leur comme il faut certaines fois. Reçu, mon chef. Voilà. Sinon félicitations, vous pouvez retourner dans les rangs. Bravo. J'appelle le brigadier Mista. Un repos East. Donc East, pareil, vous êtes au grade de brigadier chef. Merci Frost de ton abonnement, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci à tous les follow, merci à tous. Merci à tous. Comme ça, vous irez loin. Ça fait super plaisir. On vous demandera juste de prendre, en tant que brigadier chef, en accord avec le responsable de votre unité, un peu plus de lead de votre unité. Reçu, major. Je vais montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, félicitations, vous pouvez retourner dans les rangs. Bravo! J'appelle le brigadier Mike Bellick. Un repos, Mike. Bon, Mike, dans l'ensemble, bonne semaine. Très bonne semaine, t'es plein, de bonnes compétences, plein de bonne volonté. En plus de ça, t'es la chose de notre sous-lieutenant, donc de par ce fait, tu as le droit de passer à brigadier chef. Félicitations. Bravo, bravo mon fils. J'appelle le brigadier chef Odor Bellick. Du nom de respect. Repos Odor. Donc Odor, très très bonne semaine dans votre gestion de Alpha. Vous êtes un leader compétent. Donc continuez comme ça, vous êtes promu au grade d'adjudant. Merci beaucoup. Et par la même situation, vous êtes responsable Alpha au sein de Cobra, au sein de Cerveau Viper, pardon. Merci beaucoup. Félicitations, vous pouvez rejoindre l'air. Le brigadier chef Douglas. À gauche, à gauche. Non, l'autre, derrière. Non, l'autre. Et l'autre. Raptor. Non, l'autre, le gros, le camion là. Oui, là. Personne, là. De maturité et de confiance en toi.
sur ce, c'est pas une punition, faut pas le prendre comme une punition. C'est qu'on a besoin d'une semaine de plus pour voir de quoi t'es capable. Monsieur, dans le camion, il est réanimé, je crois que vous pouvez le sortir. Bravo! Il y a quelqu'un dedans? Hein? Quelqu'un dedans? Ouais, là-bas. Ah, bah, content de l'apprendre. On est tous rigueux. Brigadier chef, Velocchi. On a le même grade, Douglas. De respect. Tu viens de bouter le cul, t'inquiète. Donc, Velocchi, RSP, tu peux repos. Merci. Tu es plein de capacité, tu es plein de bonne volonté, tu montres tes efforts toutes les semaines, c'est pour ça que tu es promis au grade d'adjudant. Donc, ne lâche pas tes efforts, continue comme ça, tu peux aller loin. Bravo! Ah, félicitations, tu vas derrière. Brigadier chef Fasnid. Repos Sneed. Donc Sneed, pareil, bon bah y'a rien à dire sur ton travail. Un petit point noir, tu vas me virer cette batte de baseball que t'as toujours avec toi. On peut plus l'avoir. Voilà. Donc tu es promu au grade d'adjudant. Félicitations. Tu peux retourner dans les rangs. Bravo! Adjudant Octavia. Adjudante, pardon. Parce qu'on l'a vu. Ah, chef. Repos Octavia. Donc Octavia, j'ai beaucoup parlé de toi cette semaine entre enfin surtout entre Mike et moi. Merci Frost, ça fait cool, mais t'inquiète pas, je me suis pas fâché, hein. C'est juste à un moment donné, bah faut juste te faire respecter tout en respectant tes collègues. Faut juste Tu es promu un bel avenir, donc tu es promu adjudant chef. Mes félicitations. Faut juste des fois vous faire arrêter et c'est que comme ça que ça marche. Mais merci à toi. Donc je compte sur toi aussi pour faire ta demande, pour passer ta formation TE, pour pouvoir prendre la responsabilité d'écho. Ma demande a été envoyée à capitaine Cervantes. Merci. Donc avant d'en terminer, pour tous les Vipers ici, pour les deux recrues, il est revenu notre petit là ? Allez, devant moi. Bon, ça commence pas terrible, hein, monsieur Tirifelli. Ah oui, excusez-moi. Ouais, donc, l'absence, la tenue. C'est quoi le nom ? Hein. Donc, vous êtes en grade de recrue dans les squads Viper. Ça vous fait rien ? Ah si, je suis ému. D'accord, vous avez une semaine de test, vous êtes là pour, on est là pour vous observer pendant une semaine, vous allez apprendre le métier de policier. Et on va voir ce que ça donne une semaine. Très bien, c'est reçu, ouais. Monsieur. Félicitations, vous pouvez rejoindre les rangs, vous récupérez votre plaque à la, après la cérémonie. Merci bien. Merci de me laisser seul. Bon, pour tous les Vipers, les recrues qui sont arrivées ce soir, comme vous a dit le lieutenant, il faut penser à rigoler, vous savez le faire, vous savez être sérieux quand est-ce qu'il faut, quand il faut l'être. Vous faites du bon travail, continuez comme ça, on est satisfait de vous. Les points noirs. Si on reçoit une plainte d'un de vos collègues parce que les blagues vont trop loin, soit dans le sexisme ou dans le racisme, on sera obligé de prendre des sanctions exemplaires. C'est reçu ? Bien reçu, oui, mon adjudant chef. Donc, faites attention, on peut rigoler, mais faut pas aller trop loin. D'accord ? D'accord ? C'est bien reçu ! Voilà. Mon commandant, mon général, monsieur le ministre, j'en ai terminé. Bon, maintenant que ça c'est fait. Je prends. T'as des trucs à dire ? Ouais. Trois petits coups. Ouais, vas-y, vas-y. Merci. Bon. Mettre en place des nouvelles choses. Suite à plusieurs problèmes. Ce qui a été vu avec l'état-major. Les avocats privés ne rentrent pas sur le tarmac à la BO. Seulement, ils ont le droit d'aller dans les deux bureaux en bas. Pas plus. Pour les avocats privés. Les avocats OJA ont le droit d'aller sur Tarmac. Est-ce que c'est compris pour les messieurs de la fonction publique ? Bien reçu. C'est bien reçu. Bien prêt.
Autre. Là, quand un avocat privé vient vous voir et vous demande des informations par rapport à un casier d'un client, vous devez lui répondre son dossier. Vous avez le droit. Et non, le refuser. Par contre, pour une enquête, là, vous avez le droit de le refuser. Pour une enquête. Donc, voilà. Autre. Quand vous faites le dossier de quelqu'un et quand il y a complicité de meurtre ou meurtre, si vous pouvez marquer dans le dossier si c'est sur un agent de la fonction publique ou sur un civil. Comme ça, pour nous, les tribunaux, ça nous permet de savoir la gravité de la chose. Compris ? Oui, bien reçu, monsieur le ministre. Donc voilà. Donc, autre chose. Les marshals ont une nouvelle mission. Donc, ils feront de la surveillance aérienne. Quand ils sont pas, quand on n'est pas pris par des prisonniers, ils feront de la surveillance aérienne. Donc, je vous explique. Ils seront dans des dragons, Ogia, marshals. Ils feront de la surveillance. Donc, ils vous enverront par message s'ils voient quelque chose de suspect, mais ils ne prendront pas en charge. C'est à la police, ça revient cette tâche. Donc voilà. Donc ça permet de développer le côté Marshall pour puisse alléger un peu pour avoir un petit peu plus de liberté. Donc voilà. Aussi. Autre. Faites attention. Quand vous utilisez Saint-Thermo, il y a en ce moment beaucoup de civils qui s'amusent à enregistrer nos conversations du gouvernement. Donc, regardez bien autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui enregistre en dehors du gouvernement. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Merci, monsieur le ministre. Oui, une petite question, moi. Oui. On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on les arrête. Oui, mais j'ai un accord avec le ministre. Non. Alors, ça serait sympathique de clarifier à ce niveau-là. Je vais être clair et net. Je donne jamais mon accord sans l'état-major. Donc l'état-major, c'est qui? Colonel et mon commandant. Voilà. Mon général et mon commandant. Oui, mais t'as fait en dessous. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire que j'ai un accord avec le ministre, vous en foutez. J'ai jamais donné ma parole. Et vous pouvez demander à votre général. Je prends toujours... On reprend en comité. Je prends jamais des décisions seules. Donc, prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous dit ça, vous le mettez au mitard. C'est bien prêt. Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Ça me suffit amplement, merci beaucoup. De rien. Au mitard. Au mitard. À la prison. Voilà. Et tu te calmes. Bon, bah, je crois que c'est à mon tour. Vas-y. Alors, je vais écouter attentivement parce qu'il y a quelques changements là. Déjà, la première chose concernant les passages en officier. Donc, actuellement, vous faites votre demande à partir du grade de major pour passer sous lieutenant. Cela va changer. Donc, pour passer au grade de sous-lieutenant, ce sera à partir du grade d'adjudant-chef maintenant. Les adjudants-chefs qui voudront donc rejoindre les officiers devront faire leur demande exactement comme le font les majors actuellement. La transmettre à l'état-major, faire remonter ça par un chef d'escouade. Le grade de major, du coup, c'est un grade honorifique qui sera attribué aux personnes qui sont déjà adjudants-chefs mais qui ne souhaitent pas passer officier et qui le méritent. Ouais, ça, c'est tout pour ça. C'est reçu. Reçu, mon général. Ceux qui sont majeurs actuellement, ils vont pas bouger à moins d'être des grades ou bien de passer sous lieutenant. Ensuite, concernant... on a pris aussi une autre décision. Tous les chefs d'escouade là, qui sont réunis, il manquera Okaï, mais Dumas, tu transmettras. Tous les chefs d'escouade et idéalement leurs sous-leads devront être formateurs de base. Ça, c'est un minimum requis. Ceux qui sont déjà chefs d'escouade et qui ne sont pas encore formateurs de base, ils vont se débrouiller avec les formateurs actuels pour le devenir. Aussi,
j'aimerais qu'on soit bien attentif aussi sur le contact à la population. Donc, on renforce les contrôles et la surveillance au niveau des entreprises. Le casino aussi, il y a beaucoup de monde qui traîne, donc faut faire attention. Continue les escortes de convoi. On CPA, vous surveillez souvent les mines aussi, etc. Parce qu'il y a pas mal de rebelles qui les empêchent de travailler généralement. Là-dessus, on fait attention. Contact à la population, on est sérieux. On ne fait pas de conneries. On peut s'amuser un petit peu avec les civils, mais il y a des limites. Pareil à la brigade, dans les brigades, avant les tempêtes, etc. On fait pas trop de conneries. C'est l'image de la police qui en dépend aussi. Que c'est reçu. Et on ferme les portes quand vous partez. Exactement. Fermez les portes. Et l'équipement par terre aussi. Je retrouve plein de trucs par terre à chaque fois, c'est insupportable. Que ce soit les chargeurs, les radios pas terribles qu'on a des fois, ou les programmeurs là, ça dégage. Les radios, monsieur, on peut pas les reprogrammer. Si le mec trouve un truc pour la programmer et une radio, ça fait comme une autre radio. Hein. Bon, elle sera un peu plus courte, mais il pourra quand même nous entendre, donc faites gaffe à ça. C'est pareil, c'est sanctionnable. Ok, donc pour ça, c'est bon. Et bah maintenant, on va passer au reste. Je vais demander le Major Dimmers devant moi. Aspect mon général. Oh, bon. Donc, Major Dimmers va récemment communiquer à l'état-major votre candidature pour passer au grade de sous-lieutenant. Affirmatif. Eh bien, cette demande a donc été reçue et acceptée. Donc, vous passez dès à présent sous-lieutenant et vous restez donc toujours dans Syrah. Est-ce que c'est reçu ? Affirmatif. Merci bien. Et on le félicite, messieurs, c'est un officier là tout de même. Félicitations. Bravo ! Bravo ! Voilà, ça devrait être pareil pour tous les autres, hein, parce que là, pendant les trucs de passage des squads, c'était ridicule. Et heureusement qu'il y avait Odor, hein. Repos et dimanche, pas tout à l'heure. Et moi aussi. Merci beaucoup. Ouais, Odor et ses copines. Vous êtes tous mes copines. Sauf toi. Ok, alors ensuite, tac mes notes, ok. Lieutenant Canabo devant moi, s'il vous plaît. Aspect. Bon. Bon, Canamo, comment tu te sens là, bah, c'est chef d'escouade. Ça se passe bien, j'ai un très bon sous-lead qui m'aide aussi. Et je commence à avoir des gars sérieux et qui savent ce qu'ils veulent. Et je commence à avoir du monde aussi. Donc on peut mettre des choses en place et c'est très très sympathique. Bon. Bah, sache que Canamo, on a décidé d'arrêter ta période d'évaluation en tant qu'officier, donc tu passes à partir de maintenant lieutenant. Donc félicitations à toi. Bravo. Merci bien. Bravo. Bravo. Bien joué. Pour retourner dans les rangs. Le lieutenant Okai aussi passe lieutenant, donc pareil, terminé sa période d'évaluation. Bravo. On lui transmettra quand il sera présent. Cédric, viens devant moi, s'il te plaît. Bon. Oui, c'est moi. Repos. Comment Springfellow, suite à un certain départ anticipé et votre dévouement sur le terrain et auprès de chacun de ses hommes aussi, hein. N'oublions pas que vous vous dévouez pour la police et pour nos chers concitoyens. J'ai donc décidé, moi tout seul puisqu'il y a, non, il y a plus d'autres général, de vous passer tout de suite colonel à partir d'aujourd'hui. Et ce pour un moment, je pense. Hein. Merci mon général. Bravo. Et on dit merci qui les gars? Et on dit merci qui? Exactement, ça va chier. Je peux le permettre, Dédé. Ouais. Allez, pour service encouru pour la nation. Moi, ministre de la Justice, je te donne la médaille d'honneur. Oh. Pour service rendu dans la Syrah, commandant colonel maintenant, Dédé. Merci, monsieur le ministre. Montrez toujours votre bras de la justice jusqu'à la fin. Le bras de la justice tranchera dans ce monde de rebelles.
Maintenant, j'annonce officiellement. Monsieur Whisky, vous pouvez venir deux secondes, s'il vous plaît? Ça, c'est parce que Dédé, il a dit. Commandant Dédé aussi. Le colonel Dédé. Venez aussi. Ces deux personnes seront maintenant la police d'enquête intérieure de la police. Oh, si un document est falsifié par un officier ou autre personne, ça sera eux qui s'occuperont de l'enquête interne de la police. Ça va chier. Donc, voilà. Donc en un mot, ça va chier. Bravo! 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 Félicitations, Whisky. Ouais, félicitations à toi. Hein. Bah ouais. Hein. Félicitations, Whisky. Hein. T'as trop de mérite maintenant. Ouais, je sais, ouais. Bah, ça, c'est pareil, pareil de shit. Ça. Bah, c'est comme le shit, c'est pareil. Bon, allez, ça va chier! Tenez-vous à carreau, les gars. Quelque chose à dire, toi, Frank, c'est bon? Ouais, effectivement, j'ai quelque chose à dire, comme à chaque fois d'ailleurs. Bon! Vous connaissez l'orientation que la police souhaite. Autre chose, je sais, et je veux, et j'exige, que vous soyez plus respectueux des civils, plus respectueux de certaines personnes catégorisées délinquants. Je ne veux plus de ce que j'ai vu dans le passé. Je ne veux pas que la police réponde d'une agression par l'agression. Vous n'êtes pas des cancers, vous êtes des policiers. Et un policier doit de se faire réagir en policier. C'est-à-dire que si on vous agresse, vous répondez par l'agression, mais sur une égo, vous répondez par l'intelligence. Et le professionnalisme, vous savez faire. C'est-à-dire, vous êtes calme, détendu. Cherchez à tout prix une solution orale, verbale, négociation, au lieu de l'arme létale. Vous n'êtes pas des cancers, vous êtes des gens professionnels. Est-ce que c'est compris? Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Voilà. Donc c'est simple. Quoi? Je pense que t'as pas entendu. Hein. J'ai entendu quoi? Bah, je sais pas, il y en a deux qui ont répondu. Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Ah, je veux une police entière, une police groupée, une seule personne. Vous êtes 63 et vous devez être que un. Est-ce que c'est reçu? Oui. Oh putain, j'ai pas l'habitude de... Oh, répétez. Reçu, mon colonel. C'est qui le con de couvre qui a dit colonel Riel, là? Ouais, ça va chier, les gars. Donc voilà, réfléchissez bien. Ah, ça, c'est vraiment insultant, par contre. Qui c'est qui a dit colonel Riel? Toi, Rio? Excusez-moi. Tu t'es beaucoup remarqué cette semaine, Rio, dis donc. Non. Sûr? Merci, Kowalski, ça fait plaisir, merci. À toi. Merci Kowalski de ton don. T'as pris la grande soirée ou pas? Non. Ah, tout souffle. Merci. Oh merde. Bon, t'as fini? C'est bon. C'est bon, j'ai fini. Bon, et bien après. Général? En général aussi, ouais. J'aurais quelque chose à annoncer aussi pour la BRF. Vas-y. Simplement qu'à partir d'aujourd'hui, donc je suis actuellement le lead et Cervantes le superviseur, mais qu'à partir d'aujourd'hui je délègue le grade de sous-lead de la brigade de répression des fraudes à Nick Nick. Tant pas présent aujourd'hui, je lui officialiserai tout ça demain, tard dans la soirée, mais voilà, c'est tac. Voilà. Merci Anthony de ton follow, merci à bravo tous, merci Kowalski de ta donation de 2€, ça fait super plaisir. Désolé, j'ai pas pu vous remercier tous parce qu'il y avait quelques cancers à supprimer sur la chaîne, comme d'habitude. Je suis revenu, j'étais pas présent ces derniers jours. Ils changeront jamais ces gens. Je suis revenu, les trucs que j'ai entendus, les merci, écarts de langage. Merci Papy de follow, merci Eliwen, merci Lucen, bienvenue à toi, merci Tony, merci Impact, merci Sinac. Je défonce, je fais des tours de BA. Voilà. Merci à tous, merci de vos dons, merci de vos follow, ça fait plaisir. Gueule, j'entends, etc., etc., j'entends des trucs. Donc je retartine un peu, je vous rappelle, ceux qui parlent mal, que je les entende pas. Parce que je vais vous défoncer. Et si je peux pas vous défoncer, j'irai voir le colonel qui lui vous défoncera. T'es reçu? Je parle surtout pour Viper et Cobra. Hein, parce que pour Syrah et CPA, j'entends pas trop ce genre de... Enfin, des petits mots, là. Et pour il y a certaines unités, faites un peu attention à ce que vous dites. En présence des civils et entre vous. Si, Steve, c'est toujours flic. Hein. Merci bien. Ouais, je rappelle, Viper, vos petites blagues racistes et tout le truc à la con, là, sur vos collègues, ça suffit. Hein.
Eh ben, ça fait maintenant bientôt 50 minutes qu'on est là quand même, alors on va peut-être se bouger le cul. Mais on donc, quelque chose, mon général, mon colonel. Bon, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant avant que je pète fin parce que ça va quoi. Ne t'inquiétez pas, ça va être rapide. Cobra, CPA, Tira, Viper, les nouveaux, mon colonel, mon général, monsieur le ministre, à partir d'aujourd'hui, pose ma démission. À partir d'aujourd'hui, je rends mon badge ainsi que mon béret et mon arme. Non. Monsieur Diablo, devant moi, s'il vous plaît. Je suis pas con là. C'est toi qui vas tout faire. Oui, je sais pas. Monsieur. Avantes, viens là un peu là. Tu fais quoi là? J'ai encore ma batte hein. Tu fais quoi là? De quoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait prévenir. C'était déjà prévu? Ouais, c'était. Est-ce que nous on a été prévenus, Avantes? Et pourquoi vous devez être prévenu? Ferme-la, Jorah, ferme-la. Tu nous demandes tout à l'heure de te passer. Attends, tu m'as demandé tout à l'heure de te passer lead sur le site là. Et maintenant tu poses ta démission. Vous avez dit, mon général, que Diablo était aussi leader. Donc, non, j'ai dit qu'il était sous lead. Et entre sous lead et lead, il y a une belle différence, Cervantes. Effectivement. Mais il va passer du coup, lui aussi, lui va passer leader du coup. Mais ça, c'est si on le veut bien, Cervantes. Mon général, personne n'est irremplaçable. Quelqu'un prendra ma place. Mais j'ai pas dit que je voulais mettre Diablo par exemple. Cette décision elle te revient pas en fait, Cervantes, c'est ça après, le truc. Après, vous faites. Oui, bah pas de soucis, mon général, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc tu démissionnes ou pas? Affirmatif. Bon, allez, pose ta tenue et tu prends un portier, la sortie, s'il te plaît. Hop. Et le reste, c'est moi qui m'en charge. Allez, on le remercie pour son expérience et sa loyauté de tous les jours au sein du CPA. Merci. Alors, je t'ai arrêté avant que ça parte aux couilles. Hein. Je vais partir. Oui, non, mais j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Moi, j'ai très bien compris, mais. Valait mieux que je t'arrête avant. T'étais pas de mauvaise volonté. Je sais. Quoi? T'inquiète pas, je sais. Mais je t'ai arrêté avant en fait. Ah, faut que ça parte en couille. Ok. Par rapport à Jackson. Ouais. Ça marche. Bon allez. Tu iras voir Martin que je t'enlève le grade ou tu prends ta place civile comme tu veux. Ça marche. Bah, ouais, merci pour tout, Cervantes. Merci toi aussi. Ciao. Bonsoir. Ok, bon, maintenant qu'il est assez loin, on va pouvoir parler un petit peu de ce genre de situation là. Ok, là on a eu Sherman, Ditton, Cervantes, Johansson et Lansky qui sont partis. Ça fait déjà une belle flopée. Bon, pour CPA, on s'en occupera après, c'est pas le souci. Le gros problème là-dedans, c'est la façon de faire. Sherman, Ditton, la veille, ils prenaient encore des décisions pour vous. Une heure avant, ils avaient encore pris des décisions pour vous, pour votre avenir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une heure après, ils sont partis. Et deux heures après, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est pas normal, ça. Ça n'arrive pas, ça. Là, Cervantes, une heure avant, il m'a demandé de le passer lead. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me démissionne. Et s'il s'apprêtait à faire, à passer Diablo lead. Sans en prévenir personne, évidemment. C'est pas contre toi, Diablo, c'est une question de principe. Non, je comprends. Donc, ces conneries-là, c'est terminé. Hein. Là, lui, pareil, Cervantes, plus jamais dans la police. Sherman, Ditton, tout ça, terminé. Quand on quitte la police, il y a une manière de faire. Il y a un minimum de respect à avoir pour ses collègues. Donc, ce genre de conneries, c'est terminé. Vous soyez brigadier, chef, adjudant, tout ça, un départ précipité, je dis pas, ça arrive. Mais quand on est là depuis un an, comme ils l'ont mis dans leur petit message avant de partir, c'est juste pas possible. Hein, je rappelle, la veille, etc., il prenait encore des décisions pour vous. Hein. Il a décidé de vous baisser le salaire, il se barrait le lendemain, il était tranquille. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. Et surtout, la moindre des choses, c'est de prévenir l'état-major aussi.
reçu là pour tout le monde. Ah, c'est bien reçu mon général. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parce que depuis tout à l'heure on n'arrête pas de me couper. C'est bon, personne démissionne? Négatif mon général, pas encore. Même pas toi. Prends la porte, Snit, c'est bon, toi tu démissionnes pas, je te viens. Bon allez, ça fait un petit peu, c'est un petit moment qu'on est là quand même, ça va bientôt faire une heure, donc messieurs, je vous laisse rompre les rangs, vous êtes à disposition du chef d'escouade et puis on repart en patrouille. Sira, bah, pour tous les équipes, vous mettez en tenue. Ouais. Les Kali. Ah oui, oui, pour les grades. Ouais, attends, les grades. Maintenant bah... général ou pas? Deux gens. Tu peux y aller. Allez, les grades, vite, mettez-vous tous devant moi, faites une ligne rapidement. Ouais, pareil, faites une ligne là. First. On dégage, j'espère. Dégagez. Allez, faites une ligne, pas deux là. Faites une ligne, préparez des lignes, on arrive après là. Ouais. On s'en fout, allez. Mais il se fout de la gueule de qui, ça vante. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dégagé vite fait. Pour éviter que ça parte en couille. Obamo, qu'est-ce que tu fais? Circule. Vas-y. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont les copines de Sherman là? Non, mais c'est pas ici, Gambino. Je voyais qu'il y avait moins que ici, c'est pour ça. Non, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'ils ont les copines de Sherman? Il n'y en a pas un qui sait. Qui connaît bien le respect là, Je sais pas ce qui se passe. J'en sais rien. Je sais pas quoi te dire. C'est voilà, j'ai préféré l'emmener rapidement dehors avant que ça parte en cacahuète. Dès qu'il était assez long, j'aurais rappelé parce que c'est bon quoi, ça fait le 6ème qui nous fait ça quoi. Ouais, c'est nul à chier, je suis là. Si ça permet de passer quelqu'un d'autre en lead en plus. Bah ouais, bah, il espère que Mike soit lead en fait. Mais si on a pas de Mike, il est même pas officier. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux, faire, pour pas casser la moniteur qui puisse faire le up, je vais vous voir juste après. Donc pour faire le transmission à Okai, donc lieutenant, c'est ça, et formateur. Ok, ensuite. De base, ouais. Si. Formateur de base, j'ai lu ça déjà. Ok, d'accord. Il m'a demandé de vous voir avec vous si vous avez bien reçu son courrier. Il m'a demandé de faire ma lettre et de vous la transmettre. Ouais. Vous la transmettre. Ouais, voilà. Bah comme il y a des nouveaux changements, en plus oui, tu rentres dedans, on verra ça. Ouais, il y a pas de soucis. But maintenant, c'est un test ou on attend? C'est un détail. Non. Ok. Pour l'instant, toi, tu passes. Ah, Dumas. J'ai pas de place. Il est parti. Moi, je m'occupe des up là, vite fait. Parce que sinon. Ouais, vas-y. Ouais, bon, excusez-moi, je vous mets en pause le temps que je fasse le boulot. La ligne. Hop. C'est bon. Mike, viens, on va discuter. Gambino! Ouais, connard. Ah, mais non! Gambino, viré, ça vous va? J'aurai le Gambino. Ouais, viré. Quoi? Gambino? Ouais. Tu veux, toi? Brigadier chef. C'est bon, go! J'aurai brigadier chef. Allez, va voir le docteur Lobby. Je vais voir Martin! On va voir Martin. Vous me dites quand il est. Attends, tu me dis quand il est parti. Attends. Ouais, je sais. Gambino? Ok, c'est bon, ensuite. Quoi? Il est où? Ensuite, derrière. Et ouais, il est parti. Il est parti ou pas? Il est parti. Ok. Chez qui? Toi. Tommy Scarfield, brigadier. Non, je serai avec vous. Tommy Scarfield, brigadier. Allez, va voir Martin, si tu veux, t'es parti. Essaye la prochaine fois, Lou. Dis-moi quand t'es parti. T'es parti. Une autre tenue que ça. C'est bon. Il est parti? Non, mais me dis pas de conneries parce que sinon ça marche pas. Brigadier chef. Montez ou pas? Tu es dans le chef ou tu es dans? Ah là, ceux qui sont pas passés, vous allez. Suivant. Grand Jeff. Suivant. Ici, une liste. J'entends pas, il y a tout le monde qui parle en même temps. C'est qui? Non. Bon les gars, faut... Kali, oui. faut parler plus fort, parce que je vois pas ce que je fais en fait. Oui. Kali, Belly, tu veux quoi toi? Gadi. Ouais, pardon. Bon allez, va voir Martine. Dites-moi quand elle est partie. Attends. She's going. I want your love. Non, je suis en train de partir. C'est bon, elle est parti, Colis Navarra. Alors, attends. Suivant. Colis Navarra.
Collins. Oui. Si tu veux, toi. Ok, c'est pas pour toi, toi. Ouais, un autre trou dans la police. Tu quoi, toi? Je suis recrue. Recrue. Voilà. Ok. Alors, on va voir, Martine. Tu vas pas chercher le trône de fer, toi? T'as compris? T'as compris la blague? Hein? T'es avec ton frère? Ou genre, ou plutôt ta sœur? Ouais. C'est bon, il est parti? Attends, il est pas parti. C'est bon. Ah, c'est bon. Il est dans quel squad, lui? Il est, je sais pas. Bah, ça... Fais gaffe, ça dérange pas d'avoir fait... Colis? Bon, bref. Non, c'est pas chez moi. C'est bon! Merci. Du coup, félicitations, Théo, Gilbertino. T'as rien. Merci bien, monsieur Kelvin. Collins, je crois qu'il est Reaper. Vous savez quand je m'appelle, mais c'est rien, je voulais même pas. Je suis pas sûr du tout, hein. Ok, suivant. Ouais, c'est Gilbertino, adjudant. Bah, doucement, les gars, Martino, c'est ça? Non, Albertino. Ah. Ok, c'est bon. T'es slow, sérieux, John? Tu veux vraiment te. Je peux pas faire ça seul. Non, je peux slow. Normal, ah, slow. Ouais. Ok, t'es quoi, toi? Adjudant. Allez, va voir Martine. Yes, j'y vais. Dites-moi quand il est parti. Ouais, Ah, du coup, attends, tu passes de major à celui-là. Ouais, donc c'est un seul grade. Ouais, c'est un seul grade. Ouais, tout par terre. Ça, il y a de la place. Raison de plus pour le faire. J'ai quand même, c'est bon. Et moi? C'est bon, il est parti? Ouch! Non, pas encore. Boris, qu'est-ce qu'il te faut? C'est bon, il est parti. Qu'est-ce que je disais pour faire les cons dans les brigades? Du coup, Kanamo, lieutenant. Bah, moi je fais attendre. Toujours revenir en arrière. Recruteur, ma licence, s'il te plaît. Kanamo. Tu peux revenir en major si vous voulez. Licence recruteur ou formateur, également, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je pense que tu vas faire toi-même et moi-même. Non, moi je me suis fait, mais toi non, ce qui paraît. Dites-moi quand il est parti. T'es pas whitelist, toi? T'es genre, t'es pas flic? Non. Ah, j'avais demandé le grade colonel, je pensais que c'était possible. Non. Disparition. Putain. Essaye de rien. Sûr, rien, tu veux toujours te marier ou pas? Tu veux toujours te marier? Oula, en fait. Du coup, Boris Kraparovitch. C'est bon. Brigadier chef. Et putain, il est parti, celui d'avant? Il est parti. Ok, pareil. Boris. Tu veux quoi, toi? Chef et formaté. Allez, sur ce. T'es quoi, toi? Tu m'as dit, tu veux quoi? Brigadier chef. On commande des chefs et. Moi je veux rien, une grande frite. Ah oh merde, allez, vas-y. T'E. Allez, va voir Martine. Merci. Bon. Bonjour Dédé. Salut. J'ai un cadeau pour toi comme je te l'avais promis. T'as un gilet? Attends deux secondes. Je suis en train de faire les papiers. Alors, Cervantes, licencié. Il est parti, c'est bon? Cervantes, c'était pas le lead de formation TE, formation pilote? Ouais, ok, pour tous les chiens, passage canal 6, venez au mur de dispatch. Vas-y. Allez, vas-y, c'est bon, je suis à toi. Ouais, Ryan. Je vais voir Martin Jeff. Qui a un cadeau pour moi? Sylvano. Putain. Voilà. Vas-y. La chance, c'est cadeau. Y'a personne qui est passé major. Pour le diable, pour tous les CPA, directement au mur, une fois équipé, passer canal 4. Pour Viper, au mur, passage canal 2. Un vol? En plus c'est gravé Syrah dessus. Donc voilà. Putain, mon cadeau! Pas l'essayer par contre. Oh la vache! Merci mon petit Sylvano. Mais t'as rien. Ouais, je sais sur qui l'essayer. Parce que tu sais. Ah, je sais, j'ai une idée. Écoute, je te fais la bise. Merci Sylvano. Merci de ton cadeau. Ça me fait plaisir. J'aime les hommes de parole. Merci beaucoup Sylvano. Merci. Bon allez, je vais aller travailler. J'y pensais même plus. Bah ça va. On est au calme. Effort s'il vous plaît. Kanamo. Oh mon dieu. Ah, monsieur se fait pas chier à ce que je vois. Hein? Monsieur se fait pas chier. C'est toi qui a remis. Pourquoi? J'ai un bière à Syrah là-dedans. Il est où la recrue? Dites ça parce que vous êtes jaloux en fait. Oui.
Parce que bah, je vais à la remettre, vous inquiétez pas, c'est parce que j'étais en train de manger. Ça arrive. Putain, les bruits. Tous les combats, vous êtes demandé une mûre une fois que vous êtes. Tous ceux qui ont pris de l'up, demandez sur le channel Discord adéquat à votre grade pour le site. C'est quoi Discord? C'est ça. T'es bien, parce que j'étais en train de manger, désolé. Bonjour tout le monde, merci d'avoir été présent à la cérémonie. Je suis désolé pour les trolls du chat. Hein. Moi je sais qui ils sont. Donc voilà, je les ai bannis certains. Donc si vous venez, je vois que depuis toutes ces années, vous avez pas trop mûri. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc si vous venez pour faire chier, bah, je vous invite à dégager tout de suite. Hein. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Mon petit dédé. Donc voilà. Oh là là. Attends, je reviens. Ah. M'occuper de moi aussi un peu. Ah bah oui. Eh, c'est pas tout, mais le colonel, ça fait toujours mieux. Exactement. Toujours plus de barres. Exactement. Dit plus de barres, dit plus de fun. Exactement. Bon, allez, attendez les gars, je me mets juste mon grade. Hop. Voilà. Hop. Félicitations. Merci. Merci. C'est ça. Bon, j'en profite. Merci à tous d'avoir été nombreux ce soir, même les Corses qui ont été présents pour troll le chat parce qu'on vous a pas oublié, enfin surtout pas moi. Donc si vous vous trompez de cible, les Corses, c'est pas mon problème. Si vous voulez troll ALF parce que vous avez été ban, ben, c'est pas mon problème non plus. Vous voyez ça directement avec les gens qui vous ont ban et avec qui vous avez eu des problèmes. Moi, j'y peux rien. Donc si c'est pour me casser les couilles sur mon truc, ben, vous pouvez vous barrer. Voilà, c'est un message personnel que je vise. Donc voilà, moi je vous souhaite bonne continuation sur notre chaîne. Sinon, ben, c'est du ban direct. Voilà. Sinon, bienvenue au nouveau. Ça fait super plaisir. Merci à tous les followers. Merci aux dons. J'ai vu les dons, j'ai vu les abonnements. Je n'ai pas pu vous répondre. J'étais occupé à manger derrière ma caméra. C'est pour ça que je l'ai coupé. Ça va revenir dans quelques instants. Merci aussi à tous les rebelles qui sont venus et à toutes les personnes de qui sont venus voir la cérémonie des grades et des policiers qui n'ont pas pu se connecter également par manque de place. Voilà, ça me fait super plaisir. Merci à tous de faire avancer le truc. Ah merde, j'ai pas voté. Bah, du coup, voilà, j'ai pas oublié quelqu'un. Putain, les mecs. Par rapport à okay. Tout, après... Tu as déjà fait du Charlie? Non. Ok, donc ce soir, tu sors en Charlie en observation. Monsieur. Ah, du coup, Kali, alors attends, t'as 5 flashbangs de trop. Voilà. Après, un peu beaucoup de bandages, mais ça va. On m'avait dit 30, non? Ah, mais du coup, attends, ouais, t'es dans 60. D'accord, bah au pire, c'est quoi son nom à lui là? Et t'avais deux, qu'on s'appelle deux cagoules et tout ça, je te les ai enlevés et c'est bon. Comment ça se fait? Parce que je les voyais pas dans l'équipe. J'ai pas le fuite, je l'ai pas dans mon chapeau là. Toad? Bah, t'es censé l'avoir. Regarde, attends. Moi, j'avais en recrut, c'est bizarre. Oh bien, c'est pas grave si je peux les banques donc. De quoi? Accès à quoi? T'as joué Scarfield. Accès à quoi? Shirtwood Viper. Oh bien, c'est pas grave, c'est que pour les banques. Ouais, franchement, attends, bouge pas. Au colonel? Ouais. Vérifie que. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Merde. Vas-y, vas-y, je suis là. C'est normal, attends, bouge pas. Bah franchement, ça vous va bien quand même le colonel hein. Ouais, t'as vu un peu. T'as vu un peu, c'est sympa hein. Ouais, je vois que... Ok, c'est fin de prendre la grosse tête. Tête. Quoi ah, okay. Ou pas. Putain, j'ai pas... Garfield. Il fait que son ouais. Sabre. J'ai oublié des trucs là encore. Ouais. Du coup, Colin. J'ai oublié quoi. Ouais, oui, je reviens, je vais voir Martin déjà. Ouais, voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi j'étais pas. Ah ouais, mais bah, mon muscle s'arrête pas, donc c'est un peu. Alors, je vais essayer. Alors, je vais essayer. Ouais, ça marche.
Oda ! Bon, je suis là. T'en bouge pas. Ouais. C'est juste peut-être monsieur dans la police, là, il peut pas te présenter sa carte, donc fais avec ce que t'as au-dessus. Ouais. Et ça marche là, c'est bon ? Merde, hein ? J'ai toujours pas un maximum. Quoi ? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est pas vraiment grave. C'est rien que pour les banques en vrai. Martine ? C'est qui le loup qui me demande ? Ah, moi je fais. Et la cam, et la cam. On va la cam, le loup, t'es pressé le moment ou quoi ? C'est qui Martine ? C'est le lobby en fait. Martine, c'est le lobby. Colonel ? Alors, on vous entend. Quoi ? On vous entend quand on parle de Martine. Ouais, pardon. Ouais, ça marche. De problème, c'est pour vous. Le marché en gros. Ouais, ouais. Prends, je te conseille. Hein. Après, tu prends comme tu veux. 10 de notes, je te conseille. Y'a pas de place, l'autre là ? Antoine ? Vas-y, l'autre là. Et respect, mon colonel. 10 de notes, 5 bouteilles d'eau. Voilà. À peu près 10 Red Bull, je te conseille. De R5, ça peut toujours servir. Sierra DDD. Barrière. Une petite crochetage et après, je pense que ça sent bon. Oula, qui... oula, derrière, t'avais une tenue. Cabinet ? Vladimir, tu es où, mon cher ? Il y avait Guéni ou il y avait Génie. Poupi et Raffaello Poutny. Bon. Mais respect, le meilleur des colonels. Merci. C'est bon, c'est neuf, ça me va bien la tête comme ça. Ouais, mais la tenue. Ouais, la tenue, je vais la bazarder. Bon, alors, ils sont où les Sierra là ? Tu m'appelles les Sierra là ? On va discuter. Ah, d'accord, super. Bon, les gars, ça va changer dans Sierra. On tue plus des gens. On tue plus personne, what ? On tue plus personne. Tu parles de tuer, c'est des exécutions, on est d'accord. Ouais, parce que cet après-midi, vous avez, il y en a un qui a fait de la merde. C'est moi. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. On va, c'est extrême nécessité. Je vais, on va changer les modalités, la façon de voir les choses, la façon de travailler. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est que je reviens vous voir, en fait. Vous y avez cru, à la mauvaise nouvelle. Donc voilà. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que je reviens parmi vous. Et je vais vous remettre dans le droit chemin, parce que depuis que je suis parti, les gars, vous êtes partis en sucette complet. C'est pas parce que moi, je fais que des choses que vous devez les faire x300. D'accord ? Je suis pas d'accord avec toi, mais ouais, ok. Mais t'es pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Moi, je vois les... Je constate les faits. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave, en soi. Bah ouais, mon petit Artyom, quand tu tues un futur policier, c'est pas évident, quoi. Ouais, le problème, c'est... Bah, en fait, voilà. Déjà, il s'est dit, voilà. Il refuse d'obtempérer. C'est bon. Je veux même pas en entendre parler. Bon, allez. Voilà, exactement. Pour une connerie, surtout. Bah, allez, je me change. Un mec, quand il y a une extrême nécessité, ou si le mec il sait des choses sur toi, ou s'il a vu trop de choses... Premier schéma, le schéma marron. Important. Pense avoir plusieurs bouchons. Tu peux avoir le... En JVN, je prends ce que je veux. JVN, ouais, je te rends la communication, je te rends ce que tu veux. Je suis caché là. Moi, c'est bien. Du coup, niveau stuff, conseil du coup de mettre dans ton gilet les munitions, dans le sac tout le reste et rien dans la tenue. Au cas où si t'as besoin de changer de tenue, du coup, c'est une banque que tu dois y aller. Tu le voulais ? Non. Accessoires aussi, je sais pas si t'en as pris, parce qu'il y en a pas sur un nombre. Alors, du coup, ça tu laisses et du coup, tu achètes. Juste le stuff parce que j'ai perdu mon équipement. Tu as le même casque que moi, on va te mettre le truc. Celui-là. Tu vois, c'est lequel ou pas ? Avec les trucs de anti-bruit, celui-là, le truc bizarre. Le Brown Ops, je sais pas quoi là. Le Ops Split Coyote Case. T'achètes okay. Celui-là et avec tu achètes la Asso Crocodile, la deuxième, la grille, celle-là. Ok. Ou la... Attends. Bon. Ouais, du coup, je vais juste prendre des accessoires et des trucs comme ça et ça sera bon pour moi. Je vais t'expliquer, je vais te faire ta formation, du coup, tout ce qui est autour, quoi. Ok. T'es Vape. Merde. Alors, AMS, N...
hop, c'est parti, on va se changer du coup. Ah, je vais retrouver mes petits habits. Ça va être sympatoche. Non, c'est pas ce que je veux. C'est quoi Sierra? Alors Sierra, c'est une unité civile de renseignement, d'infiltration et de neutralisation. En fait, on est placé directement sous le ministre et on rentre dans les familles rebelles. On est des policiers civils, mais pas reconnus en fait. En gros, on fait le renseignement, on interpelle. On travaille directement sous les ordres du ministre. En gros, on est policier et on défonce tout. En gros, c'est un peu ça. Alors, c'est quoi, je vais pas les prendre. Les autres, vite fait, après je te ferai ton truc. Bah non, on n'a pas accès en fait. Ensuite, ah si. Si. On n'a pas accès. Si. On n'a pas accès au noir. On n'a pas accès au noir. Secondaire que tu veux. On a accès à celui des rebelles. Ah ouais, vous êtes obligé de bouffer le vendeur ou comment ça se passe? Excusez-moi mon colonel. Il a pas assez. Putain. Vous changez comme ça. Hein. Ta gueule. Ok. Ce que tu veux. Ta bouche là. Où je te prends. Donc un boubou éventuellement. Un boubou. Mais le truc du boubou c'est que ça prend du poids. Ah non. Ah ça t'as la batteuse. Donne ta bouche. La batteuse. Grosse bouche de fennec. Moi j'en ai marre mon colonel. De. Encore question. Je veux venir en Syrah avec vous. Pourquoi il est utilisé? Je veux venir en Syrah avec moi. C'est un peu chez la cuisse. Non, en fait, je veux juste être anti-eux, c'est tout. Tu veux quoi? Du coup, est-ce que tu veux être sniper? Ah, c'est juste ça en fait. Prouve-moi que tu es capable de venir chez moi. Et... Bah, vous savez, mon colonel, quand même. Moi, je sais rien. Le cousin était fort. Hein. Bah, viens, c'est l'enculé. Ça, j'avoue. C'est vous-même qui l'aviez dit. Le cousin était chaud. J'ai jamais dit ça, moi. Si, si, moi, je sais. La cuisse. De bouche en tibur, c'est des fois. Par contre, toi, il te faut des lunettes ou quoi? Ça, c'est merguez. Bah, regarde, bouclier tactique. Oui, et ouais, mais c'est pas les noirs! Putain! Si, regarde! C'est anti-bruit. Pas les noirs, ça? Quoi? Ça baisse encore, du coup, t'entends. Aucun VL. Quoi? Ok. T'es raciste? Par exemple, si tu baisses pas le n'importe quoi! Puis dans l'hélico. Et pas de ça que je te parle! Pas tes bouchons, bah, t'entends rien en fait. T'as une VL qui passe derrière toi, tu entends pas. Toi, tais-toi! Ouais, je vais avec ça. Gorgé. Ok, alors attends, du coup là je vais choper vite un de plus. Il mange. USP, adjudant chef. Hein? 5-4 lacrim, 5-4 gaz. Ça tu connais, moi tu connais. Il est bon, mais un peu plus. Regarde, il est pas noir. Raciste. Ah bah je suis pas raciste, je prends tout droit sur moi. Frère, Jason m'a dit qu'il était portugais, mec. Ça va, 40-50 ans. Les gars? Si il y en a un plus gros, vous mettrez encore plus devant, non? Alors, du coup. Excusez-moi, mon colonel. Putain. Excusez-moi. Je peux retourner et mettre ma sarcophage. C'est grave, quoi. Hop là. Excusez-moi, mon colonel. Un jour, il faudrait être trop chaud. Tout en pistolet. C'est 18 HP, c'est ça? T'es un bourrin. Speed Toledo. Est-ce que, mon colonel, est-ce qu'un jour on a le droit de jouer full pistolet? Ouais. Putain, t'es pas obligé de prendre aussi Dagger. T'as cru que t'étais dans un jeu vidéo ou quoi? Non, mais. T'as oublié de prendre quoi? Les Dagger Blade. Comme ça, je peux la cacher. Est-ce que t'as vraiment d'autres idées de merde? C'est pas une idée de merde, c'est une bonne idée. Non, une idée de merde. Vous avez pensé comment tout à l'heure? Excusez-moi, d'ailleurs, j'ai dit Colonel Riel, c'est. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Monsieur Dédé. Oui, du coup, c'est aussi. Normalement, ce que je fais, c'est 8 donuts. Je te vire tout de suite ou j'attends? De quoi? Putain, pourquoi ça a pas acheté là? De quoi? Ah, faut me virer tout de suite. Bah, je sais pas. Bon, allez, moi j'y vais. Salut. Salut, Jason. Mais non, mais. C'est la FBI, il faut se bonne idée. Salut, Jason. Salut, Rio. J'ai bien pris, ouais, j'ai déjà commencé. Alors, bah, on va être ensemble. Est-ce que tu t'es mis canapé? Je sais pas, il a pris 4. Un tao quand même. Alors, attends, par contre, j'ai un problème, c'est que je crois que mes coms, elles sont pas bonnes. Ah, alors, attends, hop. Avec ça dans la voiture. Canap 4. Où ça? Garde, c'est courte.
comme habit. Quoi? Quoi? Je croyais qu'on devait plus tuer des gens. Bon? Bah j'ai dit vous, pas moi. Ah! Tout! J'en ai. Ouais, je vais en prendre plus, j'en ai qu'un. Ah, mais attends, par contre, putain, j'avais déjà des Red Bull, j'ai 31 Red Bull, t'en veux? J'en ai déjà 8, donne à quelqu'un qui est là-bas. J'en prends. Je suis limité, mon sport. Attends, je vais en donner en stage à Dédé. Il a rien vu. Quoi? Putain, faites chier les gars, j'ai assez à bouffer, vous voulez que je grossisse ou quoi? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi Viper? Viper c'est une unité de la police basique. Ils interviennent sur les appels ou sur... Voilà, c'est un truc normal. Après il y a... Il y a Cobra, c'est les interventions, c'est tout ça. Viper c'est les véhicules rapides, et les blindés. Et après t'as Syrah en civil. Et c'est pas mal. Pourquoi j'en ai 4 là? Hein? J'ai pas trop de pognon sur moi. Oh, putain, si. Moi si vous avez trop d'argent. Oh, ouais, j'ai trop d'argent. Oh, ça glisse. J'ai retrouvé ma tenue civile. Ouais! Vous avez manqué, hein? Ouais. IG? Ah, les gaz! Les points sont à jour? Ta fille! 82. T'as Dédé, tu pourras mettre ou pas la formation? Mais non, mais faut que tu sois. Faut que t'ailles voir Martine en fait pour ça, et c'est chiant, faut que tu la mettes pendant que tu vas aller voir Martine. Pour ce soir? C'est pour demain en fait. Décoller. Dis-moi une petite question, Dédé. Alors on est Canal 6, tu veux savoir. On est il y aurait possibilité de mettre la licence sniper à Bibi ou Mo, je sais plus quelle est. Ouais, je vais la mettre. Je vais la mettre après. Merde, j'ai pas pris de snipe, putain. Oh, t'inquiète. On va la dédendre de bord là, on va sur le casino. D'accord, je peux avoir des batteries sur toi? Batterie? Non. Je parle à ma batterie. Ouais. Ah! J'ai dit merde, qu'est-ce qu'il dit? Oh bah ça fait plaisir de te revoir là dans mon surin. Moi je vape des arcs-en-ciel. Et moi je fais des caca papillons. Bah du coup t'es revenu vide et whisky repasse sous lead. Ouais. Du coup je garde le sous lead ou y'a juste whisky dans le sous-lead? J'ai pas beaucoup compris. Ah, tu verras. Ok, ok. Franchement j'y ai pas, pensé franchement. Ouais. T'es là? Si. C'est rentré, c'est en partie. T'as plus de formateur TE aussi? Non. Je suis volontaire. Non. Quoi non? Bah non. Pourquoi non? Bah parce que j'ai décidé, non. Ah, c'est reçu. Non, plus sérieusement, tu sais qui prendre ou tu sais pas? Non, pas encore, je suis pas regardé. Okay. Je t'avoue, déjà j'étais pas au courant qu'il partait déjà. Non mais moi non plus, mais vu que là je l'ai appris ce soir et c'est les gars qui viennent me dire y a plus de formateur TE, et moi en fait je m'étais déjà proposé à Cervantes mais il hésitait, il était toujours dans l'hésitation, c'est pour ça que je reviens. Ok, vers ça toi, marche, pas de soucis. Merci Inex pour ton follow, merci beaucoup, tu peux nous rejoindre sur YouTube aussi, sur Discord pour jouer avec nous sur R6 et LOL et d'autres jeux en communauté. Pas de problème, merci à toi. Alors désolé pour les petits problèmes de ce soir, la notification par exemple. Mais ça bug. Donc je sais pas ce qu'il y a, faut que je regarde ça tout à l'heure. Donc j'ai juste le son mais j'ai pas les images. Donc voilà. Zepec là c'est un dick de qui déjà? Mais je crois que c'est notre indic, mais justement faut que je te dise sur ce qui s'est passé cet après-midi. Alors les indics c'est pareil les gars, je ne veux plus voir un seul indic à la BA assis sur une chaise armée comme Rambo. Que ce soit bien clair. Bah, un indic reste discret. Non mais je vous le dis, à partir de maintenant, c'est discret. Si c'est pas discret, ça dégage. C'est bien pris mon colonel. Oh putain, encore une fois. C'est mon... C'est bien pris mon colonel préféré et... Oh la vache, putain, ça me fait bander. Donc pour le coup, la secte, on oublie en tant qu'indic. De quoi? Bah en fait, le fait est que tous les rebelles de l'île savent que la secte bosse avec nous. Ok. Donc on les conserve, comment ça se passe? Je vais vous montrer comment on va faire. C'est un peu différent, mais c'est que c'est un groupe en entier.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est les pires balances de la planète. Alors attendez, je vais remettre tout ça en place vite fait. Ça va swagger un petit peu ce soir. Là, à l'instant. Là. C'est normal, vous inquiétez pas. Là, je suis avec un tir. Ouais, on s'en fout. Hop. Je suis en jeu, je peux pas tout faire, les gars. Hop. Coup de Jeff, une fois arrivé sur zone, ce qu'on va faire, vous allez me faire une sorte de périmètre, on se met tout autour, moi et Dédé, oui, Dédé et moi, on se met en place dans le casino, on arrive, on leur dit que le casino est désormais fermé, et on embarque les personnes de type employé. Pourquoi fermé? Ah, parce que il marche plus, si jamais je peux te proposer quelque chose, avant? Vas-y. Et en fait, il y a un de mes indics qui travaille au casino, et peut-être moi de dire voilà, tu rassembles tous les employés, comme ça on le chope d'un coup, quoi. C'est con, s'il travaille au casino, ça veut dire qu'il y a pourquoi... Attends. Pourquoi vous fermez le casino? C'est un peu compliqué, justement. Parce ça... que ordre du. Plus ou moins lié à ce qui s'est passé cet après. Ordre du ministre, en gros. Ils sont en fraude fiscale, ça fait plusieurs semaines que le ministre demande des papiers à droite à gauche pour l'officialisation, et ils sont pas capables de les fournir, et du coup, depuis le temps, ils ont eu le temps de faire des bénéfices qui sont tout à fait illégaux. Ils sont un peu... Du coup là on doit arriver sur zone. Ok, ça marche, je vais y aller. Le document, ils sont sur zone, ah, et je... puis on arrive et voilà, bref. Ok, d'accord. Bon bah c'est bon, j'ai réparé les alertes à tous. Désolé, voilà, je viens de le faire. C'était une petite erreur d'OBS. Donc voilà, tous les alertes follow, donation, abonnement et tout sont revenus. Merci à tous. Désolé. C'est la police. Oh le bâtard. Oh non, c'est pas... Oh! Monsieur Patrienko, s'il vous plaît. Ou monsieur Yves. Fermez la voiture. Ils sont pas là. Ah bah si. Dispersez-vous un peu. Vas-y, attends, je vais tenter. Putain, merde, j'ai mon pétard sur moi. Putain, c'est les flics ou quoi? Où ça? Bah là, non? Je vois. Ah, ça, c'est non. Pas des flics, ça. C'est pas des flics, t'inquiète. C'est pas des flics, ça? C'est un rebelle. Ah non, c'est pas des flics. Bah, je sais pas, il a dit police. Non, il a troll. Dit. Non mais ça c'est du pipi à côté de... Ça se voit, ils ont un petit costume. Nelly, tu me reçois? Je suis derrière la tour de contrôle, il y a deux pélos qui parlent de d'armes de guerre, de fusils d'assaut... Attends. Exactement, monsieur. Donc, je vais vous demander à tous... Voilà, qu'elle veut bien vouloir circuler, s'il vous plaît. Votre sécurité est la nôtre. Exactement ça. Vous, monsieur Evgeny. Et si vous pouviez appeler vos collègues. Moi, je peux pas écrire. Il y a un mec qui vient de dire que ses activités c'était de braquer les entreprises, braquer les convois, braquer les gens. Le casino est fermé ou quoi? C'est de mon père qui sait. Le mec il est à côté d'un mec en blanc. Au niveau de la tour de contrôle, il y a un mec en blanc qui a les bras croisés. Et le mec c'est le mec en noir qui est juste en face de lui. Un mec en noir, peau noire. Pyrgos et puis... Je crois que c'est Scorpion. C'est la section d'information Scorpion. C'est reçu de Dragon 2. Ouais bah le mec en noir vient de dire des trucs pas très... Charlie. C'est normal. Écoute le mec en noir. Le banditisme. Pour acheter, voilà. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, je voudrais voir si ça t'intéressait peut-être. Donc, nous, comme je t'ai dit, c'est plutôt du braquage. Beaucoup de braquage. Tout ce qu'on peut se mettre sous la dent, on le fait. Du contrôle d'identité. Après, bon, vu qu'on n'est pas beaucoup, le contrôle de territoire, on ne le fait pas. Je veux dire, on cherche pas la main dans les autres problèmes. Ce qui est normal. Logique. Donc, voilà, après. Voilà. Moi je connais, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui traîne un peu partout, je connais, ouais, j'ai pas mal d'informations. Mmh. Donc un peu, mais bon, par contre, où sont les entreprises, qu'est-ce qui, les gangs, quoi. Ouais. Où sont les gangs, qu'est-ce qu'ils font, on connaît un petit peu leur alliance, etc. Bon, du coup, exemple, est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que tu serais chaud ou... Ça peut... il faut que je réfléchisse. Ouais. Par exemple, est-ce que vous connaissez les scorpions? Ah bah oui, je connais très bien, ouais. Bon, j'ai fait partie des scorpions. J'ai vu les blues qui étaient en... Ah, les blues, je connais. Ok, Syrah, vous m'entendez? Ouais, affirmatif. Ok, je suis au niveau de la tour, là.
On va interpeller les mecs en blanc et en noir. En mon ordre. Ça c'est un gang ça. Hein? C'est un gang ça. Ouais mais c'était un ancien gang ouais. L'ancien gros groupe qui contrôlait tout l'Est. Après... pas le temps. Avec les scorpions, enfin, je suis toujours en contact avec eux. Merci Mister Pou de sub, ça me fait super plaisir, bienvenue dans la communauté. Rejoins-nous aussi sur le Discord pour les jeux et tout ça. Merci à toi, ça fait super plaisir. Bienvenue dans les abonnés, merci à tous les abonnés, merci. Du coup, on a débloqué le nouveau badge VIP pour les fidèles. Merci à tous, je vais vous fabriquer ça cette nuit pour que vous l'ayez demain matin. Merci pour merci le 35e sub, merci beaucoup. Merci. Comme je disais, on va appeler, je vous laisse quelqu'un appeler le ministre, je viens d'interpréter. Stop radio. Ok, nous on reste. Stop radio, please. Chute, silence radio. Merci. Un petit convoi de LCO. Je vais pas te le cacher, ça nous a fait 4 millions à 2, quoi. Donc c'est déjà pas trop mal. Après, actuellement, je cherche à être le plus invisible possible parce que, comme j'ai dit, j'ai eu des problèmes avec la police. Donc je vais encore. Je suis revenu dans le continent, mais je vais attendre encore un petit peu avant de reprendre. Après, parce que j'ai actuellement. Sur ma tête 10 millions quand même. Oui, pas pour la police. J'ai une amende de 10 millions à payer quoi. Ah, ainsi bah, qu'une une mise en prison à vie quoi. Ouais, après, bah, bon, voilà, ça fait deux fois qu'on me met en prison. Et que bon, vous préparez un top inter. Moi en général, bien pris. Je suis dans l'ombre aussi. Quand je dis top, vous êtes top. Ok, on attend. Ok, le personne en noir est recherché pour une amende de 10 millions et prison à vie. Et a des grosses informations sur les scorpions et toutes les familles rebelles et les positions. Donc, à mon top, on interpelle. T'attends ou pas? Ah bah oui. Je veux qu'il y en ait un qui rapproche d'un véhicule rapidement. Extraction rapide. Le bibi, c'est en... Dépêchez-vous. Mais au pire, je vous prête le mien. Bah, si vous voulez, je vous passe mon numéro de téléphone. Pas un condé, lui, là-bas, là, cagoulé. Je passe pas ma carte pour l'instant. Normal, je passerai pas la mienne non plus, mais... Non, un peu plus loin, là-bas. Vous avez annoncé bon, à 13h le fermeture du casino. Ouais, mais bon. Ils ont mis en... Mais suspecte quelque chose quand tu veux. Ils ont pointé. Je crois qu'il nous a cramé. Tempater. On prend mes cuisses. Allez, au sol, les gars, au sol. On interpelle l'action police. On se met au sol tout de suite. Tout de suite, allez, on interpelle. Bouge pas. Allez, on met note et on la barre tout de suite, les gars. Allez, c'est parti. Putain, mais moi je peux pas vivre tranquille. C'est pas possible. Non, t'as juste à terre pour l'instant. Un peu le mettre. Ouais, c'est bon, allez hop, c'est embarqué. Allez, on se casse. Allez, on dégage, direction B, on dégage. Il y a le ministre qui les attend là, les deux que j'ai en voiture. Il faut les déposer à la BA, le ministre va arriver d'ici peu. Bah, tu traites ce que t'as dans la voiture, moi je traite les deux autres. Y a pas les traités, c'est pour le ministre en fait. C'est qu'on vient d'interpeller ? Non, ceux qu'on vient d'interpeller, par contre, ils sont dans l'autre VL. Ah oui, tu parles de. C'est... Ah, c'est Corbias ! Ah, négatif, Corbias, il est plus. Il est plus là, Corbias ? C'est qui alors dans la voiture ? Monsieur Yevgeny et Monsieur Punti. Oh, Punti Cambano. Adieu. Ça va ou quoi ? Tranquille, vous. T'as pas ton caniche cette fois ? Bon, une fois que tu le sors pas. Ok, vous me les mettez dans la salle d'interrogation au fond. Ils sont où ? Vous êtes où les gars ? Pourquoi ils m'ont noté lui aussi ? Allez, ici t'es pas là pour poser des questions, allez dans la cabane là. Bon allez. Ça va, on va se détendre un petit peu. Hop, on discute pas avec moi ici. Par contre, messieurs, quoi ça sans vouloir être désagréable. Alors toi, le rechercher à 10 millions avec une prison à vie, tu vas te taire quoi. Non mais
Non mais c'est les civils, le traitement des civils. T'es pas un civil. Allez hop, t'es pas un civil, t'es recherché par la police, c'est toi qui l'as dit toi-même. Ça fait depuis le début que je vous écoute en fait. Bah vous pouvez, vous savez, c'est allez, du... équipement illégal, ouais, c'est du blabla, t'as rien à dire. T'as rien à dire là, hop. Vous pouvez regarder mon casier judiciaire, ma carte, j'ai rien à payer. Mais vous êtes trop bavard en fait. En fait, équipement illégal, tentative de braquage. Ils parlent trop les mecs. Tentative de braquage. Allez, t'es pas là pour causer ici en fait. Faites que de causer les gars, on vous écoute depuis tout à l'heure, vous êtes bavard, vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Vous êtes juste à côté des gens. Veuillez m'excuser, mais tentative de braquage. Tais-toi, t'as rien à dire, allez, tu m'intéresses pas, toi. Ta place est en tôle. Par contre, moi tout à l'heure, j'ai écouté votre cérémonie, je félicite vos gardes, par contre, je pense que votre général, je sais pas. Tu recrutes pour quoi, toi? Je recrute personne, moi. Eh, tu vas pas commencer avec moi? Écoute, ça fait 10 minutes que je t'écoute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi ça fait 3 mois que j'étais donc, parlez pas. Je fais déjà ça. Tu parleras pas? De toute façon, tu auras pas le choix, sinon ta tête va exploser. Allez, faites-le parler. J'avais parlé avec quelqu'un devant la porte, mais bon. Ok, les gars, je vous la gère, vous me les faites pas parler à mort. Je veux tout savoir. Pourquoi l'autre y recrute? Pourquoi l'autre y recherché? Et tout ça, d'accord? Je veux savoir ce qui se prépare. Je veux savoir ce qui se prépare. C'est surtout le mec en noir qui est bavard. Hein. L'autre, il a pas trop. Non, mais l'autre, il est en train de recruter là. Et je pense qu'il veut créer une faction rebelle. Donc, le mec en noir, ouais, il recrutait des gens là. Non, le mec en noir, ouais. Et comme par hasard, il veut plus parler, donc il a des trucs à cacher. Et l'autre, il a des informations sur les scorpions, donc je les veux. Ça va, on en a beaucoup aussi. Moi, je viens d'arriver, ils sont déjà des. Ah, tiens, Mathis, il m'a dit qu'il allait mettre du temps. Ouais, 30 secondes, on a un prix à dire après. De East. Allô. Un problème toi? Ah non. De East, est-ce qu'on peut venir me récupérer? Possible, mais je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant. Ah non. Mais je... Hey les gars, ça va quoi? Oh, je suis outré, monsieur. Bah moi aussi, je suis outré. J'avais pas reconnu. Bah, je suis pas policier, il y a marqué police sur mon truc, moi? Eh bah non. Voilà. Donc, quand tu sais pas qui je suis, bah tu te tais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon! C'est quoi ce casino? Super lunettes. C'est quoi ce casino? Casino? Pourquoi on veut pas payer? Parce qu'il y a plus de simple, hein. Ah ouais, bah pourquoi vous payez pas alors? Fraude fiscale! Comment ça on. Fraude fiscale! Ah ouais, vous payez pas. Le premier jour de l'ouverture du casino. Ouais, le premier jour, ouais. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert? Ça fait. Ça... Ok. Bon. Tu... Ouais, d'accord. Et t'as payé ça quand? Il y a une semaine, la taxe de Saint-Pierre à monsieur le ministre. Monsieur le ministre. C'est pas moi qui m'en suis chargé. Bah écoute, tu vas lui expliquer hein, pourquoi tu payes pas les autres semaines en fait. Ton casino, je peux te l'annoncer tout de suite. Il existe plus. Je vais poser une petite bombe là, tu vois. On verra ça. C'est pas qu'on verra. C'est que je suis en train. C'est que j'y vais là en fait. C'est ça que t'as pas compris. C'est que j'y vais là. Allez. Bon. Excusez-moi, il faut que je mette de la dynamite dans la voiture. Pouvez-vous pousser? Ça peut être dangereux. D'accord. Toi, t'as pas compris ce que je viens de dire, en fait. Hey Jane, t'as envie de mourir? Mais tu fais peur, toi, des fois. Je te file les clés. Ouais, s'il te plaît. Prendre un sniper quand même. Ah oui. Jeff, t'es là? Ah si. Y a un monsieur qui me parle. Qui voudrait te. Enfin, attends, je vais venir te parler plus tôt. Oh, si tu veux.
je viens de dire, sinon le karma va s'occuper de moi. Bordel, c'est pas tant ciré. Bon bah ciao Joe. Ciao Teko, bonne nuit à toi. Il me semble que c'est... Ah, je croyais qu'il partait, putain. Mais qu'il partait, moi. Ah, bon bah Dimers, il est en train de tout rafler encore. Putain, c'est pas possible. Faut pas essayer de gagner. Mais... Si je sais ce que je vais faire. Je vais faire croire que son casino a sauté. Pas con ça, hein. Vous en pensez, oui. Je vais faire croire que son casino a sauté. Jeff, t'es où? Entrée. Ok à tous, si vous entendez un gros boom, c'est normal. Hein. C'est reçu? Ouais, ouais, c'est reçu, c'est reçu. Passez le message sur la canal 1. De Viper Lead pour Sierra Lead. Allez. Je t'attends parking. Toujours besoin de nous sur autour du casino? Négatif, ça a été maîtrisé. Bien reçu. CPA lead pour Cobra lead. À l'écoute de Cobra lead. Il nous faudrait une ou deux unités à Tira, il y a un taru qui s'est posé. Ouais, c'est reçu de Cobra, on arrive. Après ça. À tous de DD, un gros boom devant, à côté de la BA, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah là là, c'est quel dommage quand même de perdre ce casino, tout ça pour. Pour qu'il soit illégal et qu'il soit pas payé. Dis donc! Ce casino là, tu m'entends ou quoi? Ouais, ouais. Ce casino, tu peux expliquer pourquoi il y a des gens armés qui y vont? Des gens armés au casino? Ouais. À chaque fois qu'une personne armée s'approche du casino. Cobra lead, ouais. Lead on va passer canal à des cobras. Ouais. Qu'est-ce c'est qui est long, petit et qui a des pinces? Oh! Oh merde! Info? Oh merde, le casino il a pété, con! Oh putain! Oh putain, les gars! Quel accident décevant! Vous avez mis une vraiment une bombe? Ah bah. Peut-être. Donc, si vous voulez pas que la prochaine. Si après vous. Bon. Oh les gars, vous savez qui je suis ou quoi? Je sais rien, une personne armée dans le commissariat, logiquement, c'est... Ouais, vous savez pas qui je suis, en fait. Soit une personne du gouvernement, soit un policier. Ouais, un policier. Didier, t'es là? Si. C'était toi le gros badaboum, là? Oui. J'ai annoncé la couleur, t'as l'air. Ouais, ouais, t'as annoncé, ok. Mais c'était pour quoi, en fait? Ok, y'a pas de caméra, y'a pas de micro. Par contre, y'a un hélicoptère qui tourne à côté de la BA, là, un truc civil. Ah, bah, bien sûr, bah... Vous savez ce qu'il y a à faire, les gars. Faites votre boulot. Bon. Si vous voulez pas être dans la deuxième bombe, les gars, faudra peut-être commencer à me dire ce qui se passe là-dedans. S'il me reste une petite charge dans ma voiture, on peut aller faire un petit tour. Voyez ce que je veux dire. Apparemment, il y a un feu d'artifice près de Neo-Chori. Allô? Un feu d'artifice. Ouais, il y a un feu d'artifice. C'est vrai? Bon, on m'a promis un rendez-vous avec le ministre. Ouais, bah moi je te promets un feu d'artifice avec moi. Ça te dirait de voir des petites fusées de toutes les couleurs? Rouge, bleu, vert, violet. Ouh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Oh, la belle verte! Oh, c'est beau ça, mais. Oh là là, dis donc, papa, papa! Je vais la manger! C'est bon! T'as envie de finir comme ça ou quoi? Est-ce qu'on peut pas parler avec quelqu'un d'un peu plus sérieux? Ouais, bah oui. Mais je suis très sérieux, mon petit père.
C'est ça que t'as pas compris en fait. Tu vois la différence entre toi et moi, c'est que toi tu sais pas faire la différence alors que moi oui. Moi quand je vois des putains de criminels en face de moi qui sont en train d'escroquer des gens dans un putain de casino pour cacher leurs choses illégales, oui moi ça me dégoûte. Ouais. Alors écoute-moi bien fiston, si tu crois que je suis pas sérieux, mais je suis très bien sérieux en fait. Ce que je veux c'est ta tête. Tu crois que je sais pas quitter en fait? Mais si je sais quitter en fait, c'est ça que t'as pas compris. C'est toi qu'en fait qui est stupide mon petit père, c'est que tu sais pas qui t'as en face de toi. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Tu me prends plus au sérieux ou pas? Donc écoute-moi, fiston, moi je sais qui tu es. Et crois-moi, je vais te faire tomber toi et tes potes, dans le LSD ou dans ce putain de casino. T'as compris? Voilà, maintenant je te laisse avec le ministre, et je te dis à bientôt, mais tu sauras pas quand. Bah à bientôt alors. Pour le feu d'artifice peut-être. C'est ça. Et toi, t'as rien à foutre là toi. C'est pareil, hop, toi tu dégages, et tu viens avec moi là-haut. Qu'est-ce que tu fous là ici toi? Hop, je t'enlève ton micro, ta caméra, t'as plus rien. T'as compris? Aïe. Voilà. Hop. C'est serré, c'est escorté. T'as plus de micro, t'as plus de caméra. Hop, salut. À tous. Oui. C'est normal que je trouve des civils dans cette putain de BA là, avec des caméras et des micros sur eux. Mais j'ai pas de caméra ni micro, on m'a dit de dire ça. Qui t'a dit de rester là? Le truc c'est qu'on est sur les box, ils sont où là? Je vais les foutre dehors. Bah tu restes là-dedans, ta place c'est ici. Allez salut. Bah c'est une live ou quoi? Hugo, tu prends le démenoter l'autre dans la cage tout à l'heure. Ils sont où tes... ils sont où tes pélos là? Là j'en ai foutu un dans la dans la cellule en bas. Dans la cellule. Il y a un civil, les gars, dans la BA en fait. Ah, ouais, c'est ok, hélicoptère bleu. C'est la caméra. Qui veut pas descendre, leur collègue a abattu des gens sur le casino, ils veulent pas s'arrêter. Donc, si vous pouvez prendre en charge, ils sont au-dessus actuellement de l'aéroport. Ah, c'est bien pris de CPA. Je crois qu'ils se posent, mais c'est pas sûr. A bientôt. On prend notre dragon. Du coup, pour Dragon 2, vous pourrez. Ah, mais c'est pas même, il est en direction. Vous parlez tous en voix faible, vous parlez tous en voix faible dans cette putain de BA. Bah non, moi j'attends des poissons. Direction sud, à partir de l'aéroport. Hélicoptère, bon. Oui, tu peux retourner sur monsieur Lacoste. Ah, c'est bien voir, bien voir là, John. Mais je le traite ou je fais quoi du coup? J'aurais prévenu que y a deux mecs. Il y a deux mecs menottés dans cette putain de brigade. Tu savais qui appartient ce casino ou pas? Si jamais la feuille dit vrai, c'est à monsieur José qui t'a lu. Du coup, Jeff, je prends en compte son casier quand même. Afi, tu prends tout en compte, y'a pas d'accord avec lui. S'il veut un accord, on lui dit c'est plus tard, mais là c'est bon. Ok. Après, il fait quoi le ministre? 50 ans arrivé là. Appelez-moi la sécurité civile s'il vous plaît, y'a un coma dans la cellule. Vous avez vu l'appel? Bonjour, nous avons 4 otages. Ah bah voilà, comme par hasard. Ah oui, t'as 4 otages, t'es commun, forcément. Allô? Appelez-moi la sécurité civile en urgence, s'il vous plaît. Tant pis. C'est bien pris, Jean-Luc. C'est PLID pour SNID. Ah, il est comment? C'est PLID pour SNID. De SNID pour CPLID, ils vont vers Pierre Gosse, ils se posent, ils viennent en voiture, soi-disant. C'est bien pris de CPLID. On coup, a un hélico bleu au-dessus d'Atira, donc ce n'est pas lui. Négatif, je ne pense pas. C'est bien pris. On se dirige vers Pierre Gosse dans ce cas. Bon à tous, pour CPA, il y a une prise d'otage donc annulée, au pire, tant pis. Ah c'est bien pris, CPA. Du coup pour toutes les unités... Ah bon ? CPA, retour BA. Allô ? Allez fiston ? Ouais, il est comment lui? Qu'est-ce que ça? Eh les gars? Eh les gars? 8h30. Alors j'ai un civil dans la BA qui se balade. D'accord? Et regardez ce qu'il a sur lui. Si vous trouvez ça normal.
Est-ce que vous trouvez ça normal? D'accord. Bon, à tous de bah, c'est quoi ce bordel? Je viens d'interpeller un civil dans la BA, d'accord, les bras croisés, avec une trousse magique, des chargeurs de d'armes et un pétard. Tout va bien. Est-ce que c'est normal? Bon, il est coma dans le garage, à toi la sécurité civile, et je veux savoir ce qu'il fout là avec une trousse magique et des armes. Ouais. Et moi, il lui a dit que vous devez attendre. Il est au niveau de la wall, voilà. Qui doit attendre? Vous. Parce que non, mais l'assurant. Parce que Monsieur Jeff a demandé Monsieur le ministre. C'est pour ça. Ben oui, parce que Monsieur le ministre a demandé les patrons de, du casino qui sont là. Non, mais je sais, mais il a dit que vu que Jeff, Monsieur Jeff est pressé. Il a dit que monsieur le ministre a dit que vous devez attendre. Voilà, je vais y arriver. D'accord. Voilà. John, il faut que tu attendes le ministre. Bon, est-ce que je peux avoir la sécurité civile? Ouais. On a envoyé un message, on est en attente de réponse. Ah bah, moi de Jeff, là, j'en ai reçu un message du ministre là, qui m'a dit bah, nous on veut partir en patrouille et eux. Ah, il est vivant en commun lui. Oui, allô. Allô, montant. Ouais, c'est lui qui parle. Non, il est vivant. Pourquoi j'ai pas entendu? Bah, il est vivant. Lève-toi! Mon écran, je suis en coma. CPA lead pour les autres unités. Bah, comme d'habitude. Qui est le négociateur qui prend en charge la prise d'otage? Je peux pas. Ouais, régler le problème. Ouais, régler le problème. Hein? Ah, c'est là? Là, il est coma là. Excusez-moi. Là, il va se relever. Vous êtes. Il va se relever, il va se relever. J'ai aucune. Tu sais, mon petit Sylvano, que tout ce que tu entends dans cette DA, tu vois, t'es pas con. Ah, colonel. Oui. J'entends rien, moi. Bah, on lui a mis un coup de batte et là, il est en train de dire, il a un écran. Après, il parle encore. Allô, ouais, faut le kick. Ouais, c'est bon, attends. Snid, tu vas sur le téléphone que je t'ai donné, Battle Metric. Attendez, on va pouvoir décoller nous aider. Ouais, là, mais eux là, il faut leur donner à manger et à boire là. Je viens de le faire. Parce que le ministre il fait quoi là? Non, mais le ministre il a dit qu'ils allaient attendre et qu'ils étaient menottés, qu'ils allaient les tendre ici. Du coup, ces messieurs là qui sont là de la démarche, ils vont passer avec eux. A bientôt. On va partir en patrouille. Allez, on se casse. Mais pour l'unité suivante, on bouge là. Je crois que. Bibi, maman, on décolle. C'est bien pris. Est-ce qu'on va sur la. Et je ne veux plus voir un civil dans la BA avec des armes et des putains de trousses, bordel. On en fait quoi de l'autre? Bah, vous démerdez, les gars, il a une trousse magique et des chargeurs d'armes dans le sac à dos, c'est normal? Ah merde, je suis en canal 6. À toute la police, je ne veux plus voir un seul civil avec une trousse dans son sac à dos et des armes. En train d'attendre les bras croisés dans la BA. C'est compris? Bien reçu pour Viper. Donc voilà, et pas un avocat dans cette putain de cour. C'est dehors. Sauf Sylvano, naturellement. L'avocat officiel de l'OGR. Sauf c'est le l'OGR, ok. Ils ont repris Tirefeuille, je rêve. Non, j'ai repris Tirefeuille. Ah là là. Il va pas intégrer Sierra. Colonel devait. Je sais qu'à l'époque il le voulait. Oui, il voulait, mais pas pour l'instant. Et Ozol, il est là ou pas? Bah si, mais de toute façon il était planté. Allez les gars, là, on se dépêche. Bon, Sierra, vous maniez le cul, ouais. S'il vous plaît. En fait, c'est ça le problème. Bien pris, mon collègue. Du coup, on devient officier dans le terrain, on a le problème de la toux. Mais quoi? Quand on devient officier dans le terrain, on a le problème qui s'appelle la toux intensif. Ouais. Ouais. Adieu, trousse. allez. Ils font quoi les gars là? Pas ce qu'ils font. Ça percute pas là? Eh hey, les gars, dépêchez-vous!
Vous voulez une invitation pour partir de la BA ou comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'il en est des deux autres là? Ils ont craché? Bah on en a traité un et Yoyo il traite le deuxième. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? De quel autre ou celui de Yoyo? Bah les deux. Celui que vous avez relâché il dit quoi? Celui qu'on a eu c'est un mec de la section Scorpion qui l'a pour recruter des personnes. Et chercher des informations sur la police. C'est reçu. Et vous l'avez relâché? Voilà, on peut pas me donner. Alors, on l'a tabassé, on a récupéré sa formation là, mais vu qu'il est indillégal, on peut pas techniquement le garder quoi. Il est en train de te dire qu'il fait partie d'une section criminelle qui cherche des informations de la police et toi tu le relâches? Bah, dis ça, Bibi. Hein? Il est juste devant. Et ben voilà, tu l'interpelles. Et tu lui mets trahison et complot envers le gouvernement. On peut pas me donner de laps de temps parce que ça marche pas. Yoann, il tient, il lui dit quoi? Merci. Non mais les gars, à un moment donné, il faut se réveiller quoi. Je sais pas ce qui s'est passé pendant mon absence là, mais... Il s'est rien passé, je sais pas ce que tu t'inventes. Mais je m'invente rien les gars, putain, vous avez des criminels dans les mains et vous êtes capables de me les relâcher. Donc c'est pas inventé ça. Je sais que vous êtes déçu de moi. Y'a rien à inventer, le mec, ça fait je sais pas combien de temps, il y a qu'un seul truc sur lui, il est même pas récidiviste, donc je l'invente de rien. Non, le mec, je te parle pas du tien, je te parle de l'autre. Le mec, il dit clairement qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle la Scorpion, qui est une famille rebelle officielle, et qui cherche des renseignements sur la police. Ah, autant pour moi. Allô, allô, et on le relâche. Donc, est-ce que je m'invente quelque chose? Non, négatif, j'ai pensé que... On est d'accord. Et le tien, qu'est-ce qu'il raconte? Le mien, il... On peut bouger de là. Bah parlez moins fort, mais ils vous entendront pas. Le mien il avait un accord avec Jeff, entre guillemets, un accord qui est caduque, donc qui donnait rien. Seulement il avait juste de l'équipement illégal sur lui. Et j'ai pris sa carte et il veut plus. Enfin, je lui ai dit que l'accord était nul et non avenu, il m'a dit ok. Je l'ai amendé juste pour l'équipement illégal, une amende qui est dérisoire, je suis d'accord. Et le monsieur a dit quand même, malgré tout, il serait quand même assez intéressé pour nous donner des informations précises sur certaines familles, mais qu'il fallait pas lui donner de laps de temps comme Jeff l'a fait précédemment. Donc, et je l'ai relâché parce que il y a qu'une amende à lui donner et c'est au revoir quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc le plus gros morceau, il a été relâché. Ouais, le mec en noir, par contre, il était plus impliqué que le mec en blanc. C'est quoi son nom à lui? Et Franck Castel. Après, il nous a pas dit clairement qu'il était il a dit travailler, il faisait des go fast avec les scorpions, c'est tout. Ah bah voilà, donc c'est un criminel. Qui travaille pour une famille criminelle reconnue et officielle. Donc vous avez pris des renseignements sur la Scorpion. Donc vous savez que la Scorpion détient le... Le LSD. Voilà. Et qui cache ses sources dans le... Casino. Voilà. On y est. C'est deux choses différentes en fait. Bah non. Parce que là t'as une pièce du puzzle en fait. Mais ça on le sait depuis... T'as un mec. On sait que le boss du casino, donc Stallone, c'est un rebelle. Cet après-midi, il a pris en otage des flics. Oui, mais le mec que vous relâchez là, en fait, travaille pour eux ou est avec eux. Donc vous avez pas à le relâcher, en fait. C'est ça que j'essaie de vous faire expliquer. Ça, par contre, ça nous a jamais été dit, ce genre de procédure, en fait. Bah c'est normal, parce que vous êtes des jeunes, vous venez du civil, les gars. Et je suis parti pendant 2 semaines, donc forcément j'ai pas pu vous former comme moi j'ai envie. C'est logique. Donc maintenant je suis de retour, maintenant vous allez comprendre comment ça marche. Donc quand on part du principe que le mec fait partie d'une famille rebelle, on le défonce au niveau amende. Tu le défonces pas au niveau amende. T'essaies de savoir un maximum de choses. Sachant qu'on a les patrons de cuisiner qui sont menottés à la BA qui veulent voir le ministre. Tu comprends mieux là? Voilà, en fait là, il y a les deux grosses têtes du casino sont à la BA menottées. Le ministre, il va arriver pour fermeture du casino. On sait que le casino appartient à la Scorpion, que la Scorpion a ouvert le casino pour faire de la drogue derrière. Et là, on avait un mec qui travaillait pour la Scorpion,
qui confirme qu'il fait de la drogue pour eux. Ou qui fait, ou qui est un scorpion en fait. Donc en fait, ce qui va se passer après, ben, on anticipe déjà en prenant des informations un maximum de ce mec-là. Comme ça, une fois que le ministre nous dit ben, de quoi faire avec les deux propriétaux de casino, eh ben on a deux fois plus de billes, et là on a fait notre boulot de Syrah. De toute façon, maintenant on a des preuves comme quoi le casino est intimement lié au scorpion, vu que cet après-midi il y a eu une prise d'otage où il est ressorti Joseph Talon et Vladimir, je sais plus comment, qui sont des leads de la scorpion. Eh ben exactement. Donc ce mec-là, fallait pas le lâcher en fait. Parce qu'il fait partie du puzzle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ordre du ministre, direction la Hulk pour contrôle des entrepôts et immédiat. Non mais le ministre, il... Il y a une PO là, en fait, je crois. Il y a une PO, hein. Bah, fi, mais la PO, là, ils sont... Les collègues, ils gèrent pour l'instant. Il n'y a pas eu de négo, il n'y a encore rien qui a commencé. Là. Ouais, je sais pas, c'est pour la guerre, c'est quoi la PO, là? Ah, elle est à côté, on a pas d'infos, et on sait juste qu'ils ont 3 mecs et pas plus d'infos, quoi. Y'a pas eu de négoce, les mecs sont pas en place. Ah, pfff, y'a que dalle en fait. À tous de DD. Allez, écoute. Vous pouvez m'informer, où en est la PO? On part, on va aller prendre contact. Ok. Y'a un contact téléphonique qui a été fait ou pas? Est-ce qu'il y a un contact téléphonique qui a été fait? Affirmatif, j'ai commencé un premier contact. Alors, il demande une zone de 1,5 km et que du coup, moi en tant que négo, je viens de désarmer. J'ai accepté ça, je vais aller voir un peu, prendre la température et ensuite. Bon. Juger. Ok, est-ce que. Du coup, besoin de renfort, certainement. Sans doute. Ce serait. Oui, 4 otages, ce serait pas mal. Bon, allez, à toutes les unités, direction la PO, on attend le négociateur, on se place autour de la PO, c'est parti. Fais-moi une com en longue. Sirlit dans l'ensemble des unités, du coup direction la prise d'otage pour le. Pour les Syrah passer. Log de Viper Lead pour tous, les Vipers sont positionnés au sol et les Cobras seront en unité aquatique en plongeur. Jeff, le CPA, on a affecté un hélico par zone. Jeff, pour Yoyo, t'as un TE ou pas dans ton truc? Moi j'ai un TE. Transmet pour lui, il est pas canon. Si, transmet. Salut, est-ce que t'as un TU dans ta voiture? T'en vas ou quoi, Cobra? Merde. Putain. Négatif. On va en chercher un en speed. Vas-y. On commence à se placer, aller me chercher un TE ou deux, et puis on va aller se placer en TE pour nous le sien. Prends le TE ou je le prends, Dédé? Hein? Prends le TE ou je le prends du coup? Bah, je le prends, c'est mon TE, merde. Ok, tu vas paniquer mon TE, non? Ah non. Ouais, je te connais, toi, je te vois venir, toi. Eh non, voyons. On va... Pas du tout de quoi tu veux parler, hein. TE gratuit, ça m'intéresse pas, moi. Ah, bah ça. Non, je serai en couverture pour toi, hein, en batteuse. Mais simplement où tu veux te placer. Bah, tu te mets sur un point en hauteur. Bon, de négo, je vais prendre contact. Bah, tiens, potentiel TE, bah, à l'église, là. Regarde. On est bien là? À l'église. Là, Ah, je le vois, mais. Attends, je vais juste aller vérifier, c'est quoi la zone? La zone. Un kilomètre. Ouais, ça devrait être dans les cordes. Voilà, potentiel TE. Check ouais. Au front ou on check de loin? Tu check, tu me mets là, par exemple, hein? Potentiel TE là, potentiel TE 3, tu peux mettre partout en fait, tu peux mettre là, tu peux mettre partout, hein. Merde. En invisu là sur son potentiel TE, un léger. Oh il est pas mal là. Il est pas mal là. Envoyer un message à Whisky parce que du coup lui il est avec le ministre. C'est ça.
avoir quelque chose ou pas au niveau des potentiels TE3 là? 2,7 km. Ah putain, je suis trop loin moi pour voir ça. Les personnes niveau de qualité, est-ce que vous pouvez reculer un petit peu s'il vous plaît? Parce que là vous êtes sur 1,3 km et la personne veut absolument 1,5 km. Oh my god. C'est pas de nous là? Ouais, s'il vous plaît. Oh les relous. Jeff, j'ai autorisé le Messira à prendre un autre TE, comme ça on va être deux TE. Tiens, je passe. Ma fille, c'est ce que j'avais demandé. C'est qu'on se placer. Kilomètre 5, il est marrant lui là, mais kilomètre 5, c'est chiant. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un TE dans le coin parce qu'on s'est fait spot, ça c'est sûr. De Viper Lead pour Echo. Un kilomètre. Vous avez une zone s'il vous plaît à checker, merci messieurs. Affirmatif, je me pense en Strider Dock et Coma, donc on s'en occupe. De Viper Lead pour Charlie. Ça pue ce truc là. Qu'est-ce qui pue? Mes pieds? Non. C'est une prise d'otage là, y'a personne. Ouais, bah surtout qu'on s'est fait spot, donc ça veut dire qu'il y a forcément un mec dans le coin qui nous a spot. Et là, là comme on est, t'es visible avec ton antenne télescopique. J'aurais pu me capter. De Charlie, Colin, TE, clear, j'enlève le point. Ensuite, Charlie. J'arrive. Ils peuvent pas être que deux quoi. Non, ils peuvent pas être que deux, c'est clair. Et surtout qu'il a combien d'otages? Saute, prends le parachute et saute. Allo? Faut venir me chercher. De Viper Lead pour CPA Lead. Diablo qui vient de se crash. Du coup, de CPA, je viens de perdre mon pilote, donc si vous, ce serait bien qu'on ait un soutien d'un des autres hélicoptères pour venir chercher mon coma. Pas tous, pas tous. Ils sont tous dessus. Non, bah non, non, nous on va pas y aller, on va pas y aller. On va bien pas prendre. Reçu de Charlie, on est sur zone. On va aller check les TE un peu plus loin. De Viper Lead pour Sierra. Très violent, je peux être coup, de Sierra. Vous pouvez vous occuper de check la position potentielle TE là à l'est au-dessus de la production de soude caustique. Affirmatif, Francis Diri. Bien reçu. Ici. Alors, leur revendique, enfin, ce qu'ils demandent simplement pour les 4 otages, c'est 2 Lynx, 2 F249 et des cafés et des donuts. Oh non, Narios, comment ça va? Ah, c'est tout, rien de plus. Ils en ont 4. Doc de Charlie. Ça va, tranquille. Ça va. Vous pouvez récupérer votre collègue en coma dans la ligne gauche, je sais pas où il est.
une personne dans la petite pièce à gauche avec les otages, ouais, mais... une personne ouais. qui discute avec moi, j'ai vu personne d'autre. Il y a l'L4, j'ai pas pu voir au niveau de derrière parce que j'ai pas trop osé bouger et voilà. Pas grand chose de plus. Donc qu'est-ce que je fais? On va leur sortir leurs armes et après on prend les otages ensemble. Ouais, merci Sira. Tu retournes les voir pour négocier, tu leur dis que dans un premier temps tu leur proposes la moitié contre deux otages. Ok, reçu. Dans ce cas-là, je vais d'abord venir avec quelques donuts et quelques... Tu leur fais peut-être pour leur faire donuts et tu négocies. Quelque chose ou pas? Je vois rien. Elle, hein. Pour l'instant, je vois rien du tout. À part un mec là-bas. Mais... Jeff pour Bibi. Écoute pour lui. Vous pouvez vous rapprocher de la colline potentielle 3TE en essayant de les contourner un peu par l'est? Ouais, on va aller voir, on va aller check la colline et puis on va essayer de s'y positionner aussi. Si on peut. Pour l'instant, on reste en soutien pour vous. C'est bizarre. Hop. Bien sûr, ils sont deux. Jeff pour Nego. À l'écoute. Ils sont actuellement deux sur zone, pas plus. Affirmatif, j'en ai vu que deux. Peut-être plus caché derrière, mais pas d'infos, pas sûr. Je vais essayer de vérifier quand même. Nous, on est en train de checker les collines aux alentours. On n'a pas visé sur des TE pour l'instant. Reçu. C'est juste deux pectos qui ont chopé 4 civils au casino ou un truc du genre là. C'est possible. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, en effet, mais... Cobra lead à toutes tes unités, Cobra, on va aller sous l'eau, on sera indisponible pendant le trajet. Bien reçu. Y'a rien sur la colline? Non, y'a rien du tout. On va essayer d'aller checker la petite tour armée en face de nous. Ouais. De Viper Lead, de Viper Lead pour CPL. Tu les mérites pas. Exor 57 et tout ça. Pour lui. Vous avez pu faire un check thermique sur les tours armées en zone 2. Pas à ma connaissance, mais on va passer à checker. Elles sont ouvertes. Est-ce que j'ai vu ton message là-haut? Non, je l'ai pas vu, Nerilos. Quoi? J'ai quelque chose à te proposer pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire un don. Ah bah vas-y, tu veux m'en parler sur TS plus tard? Que tu as vu mon message? Ouais, je vais le voir. Désolé, j'avais pas lisé sur le chat, Marius. Bah, qu'est-ce que tu proposes? Oh putain. Je sais pas. Tu
tu veux m'en parler sur TS ou sur mon Discord peut-être? Question très difficile, les DTP. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain, la vache. Pain au chocolat ou chocolatine. Ah non. Non, Dédé. Écoute. Si tu me dis que c'est la chocolatine, je te croirais pas, t'es con. Ça veut dire que tu viendrais d'une région de la France qui refuse catégoriquement à avouer que le petit pain au chocolat reste la même pâte qu'un pain, mais avec du chocolat dedans, avec de la merde au cul. Donc ce sera pain au chocolat. Et je ne suis pas politique pour dire chocolatine. Discord, bah si tu veux, tout à l'heure on se voit sur Discord, hein, c'est pas de problème. Tu vas dans le bureau en attendant les dédicaces et je te rejoins là-dedans, je te switcherai dans mon dans ma loge. Mais 9, on se voit d'ici. On devrait être en ligne pour Charlie. Alors là, pas du tout. Hein? Hein? Ah, je te demandais, un kilomètre 9 en soi d'ici, ça pourrait passer. Oui, bah par contre, le temps que la balle arrive, le mec il attend le bon jet 10 fois. Ouais, en Belgique, ouais, on dit cook au chocolat. Oh merde! Un cook au chocolat. Un cook au chocolat. Bon, alors on est d'accord, on dit pain au chocolat. Pas mal. La batteuse. A new follower. Bienvenue Spokaos, bienvenue à toi, merci à toi d'être, d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour revoir les lives et les vidéos, et sur Discord pour nous rejoindre, pour jouer à des jeux communautaires, excuse-moi, ou sur YouTube pour revoir les lives. Merci à toi d'avoir rejoint la chaîne, bienvenue. On peut y arriver sans. Putain, il m'a piqué mon arme, l'enfoiré. Ah, bah tant pis déco. Pour moi c'est un pain au chocolat. Donc, chocolatine. Si tu veux. Si j'ai bien compris. Et il manque le M320 dans la bagnole. Ouais. T'es sûr que t'as pas regardé la mauvaise? Bah non. De Viper Lead pour tous, nous avons perdu le Strider médical suite à un accident. Ah ouais. Ce sera bravo donc Dinas vous contacter pour faire les évacuations de vos blessés. Faire tout le toute la côte là pour chercher un 2M200. Bon, on fait quoi là? C'est chiant ou quoi? Là, je vais prendre tout mon temps pour aller chercher les deux lynx. Donc, il me faudrait quelqu'un qui ait la formation pour pouvoir me les sortir. Comme ça, après, genre, bah, je reviens tout doucement, tout tranquillement. Comme ça, Cobra sera déjà arrivé. Et puis, bah, ce sera très simple. Parce qu'en soi, si jamais, au pire des cas, je pourrais demander à voir les otages pour une dernière fois. Le mec à l'intérieur, je pourrais essayer de le tatane avec mes jumelles. Et il n'y aura plus qu'un mec à défoncer à l'extérieur. Et je pense pas que ce soit très compliqué. Donc, là, en soi, le topo, tu as négocié deux lynx contre deux otages.
Affirmatif. Ah, je sais comment faire pour gagner un petit peu de temps, je vais oublier les chargeurs. Viper lead pour le général Dimers. Ouais, mais ça va, il est plutôt calme, je pense. Allez, écoute. Vous pourrez sortir deux lynx pour la négo, s'il vous plaît. Lieutenant Diablo s'en occupera. À tous de DD. Bien reçu. Allez, écoute. Vous êtes sûr qu'ils sont que deux? Bah, j'en vois que deux. Quand je suis à côté, là-bas, il y a Douglas qui a fait le tour de la plage collée, là, ils sont que deux. Et combien d'otages? J'ai fait le tour de qualité, hein, j'ai fait les otages. Combien? 4. Enfin, si on peut déjà en libérer 2, au moins ça permet une simplicité. CPA de DD. Faites-moi un balayage thermique à 2 km derrière les lignes. Le mec, pour information, le mec qui est à l'extérieur du bungalow est dans les cailloux. Elle est là. C'est PAD pour les unités qui ont arrêté quelqu'un au niveau du... Du coup, je disais c'est PAD pour quelqu'un qui a arrêté une personne au niveau du casino. Il y a les marshals qui me demandent si cette personne n'a pas été enfermée quelque part. J'ai pris un véhicule spécialement pour moi pour pouvoir mettre les lynx dedans, ce sera plus simple pour la ramener. J'ai rapproché le VL. C'est bon? Bon bah voilà, j'ai trouvé la panne du crash. C'est nickel. Il est 22h53, c'était l'heure du crash, sans coupure, sans... avec une micro-coupure, mais beaucoup moins pire qu'avant. Voilà. Moins pire. Beaucoup moins pire. Voilà, ça va mieux, hein. Bah voilà, ouais, j'ai atténué le crash de tous les soirs sur Arma. Voilà, c'est quoi ça? Pourquoi il vient vers nous, lui? Je sais pas. Il fait quoi, lui? Ah, je suis en train de checker les couilles. Ouais, casse-toi, 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 tout, tout, tout. Faites gaffe, Sira. Reculez sur la colline. Celui a pris comme ça, de check dans notre direction. Ouais. La gueule, je le sens, je vais passer devant ton canon, je vais rien comprendre. On se met. Est-ce que l'unité médicale, qu'ils ont eu un accident en allant sur la PO, est-ce qu'ils sont autorisés à revenir ou pas? Hein? L'unité médicale qui a eu un accident et qui a l'auto en se rendant sur la PO, est-ce qu'ils sont autorisés à revenir ou pas? Bah, bien sûr. De Viper Lead pour Doc. Alpha de Charlie. Ah, écoute, vous confirmez, ils étaient bien que deux. J'ai vu que ça, ouais. Parce qu'ils parlent en radio, mais ça m'étonnerait qu'ils parlent en radio s'ils sont que deux. Si. Parce qu'ils sont à côté des otages, du coup. Là, ils sont collés tous les deux, mais ils parlent en radio en même temps. Je sais pas s'ils parlent à quelqu'un ou autre.
Dans ces cas-là, ils peuvent peut-être. Ils ont peut-être des autres quelque part. Peut-être dans les airs, je sais pas. Ciel au-dessus. Jeff pour CP1. Transmettez. À la limite, essayez de checker, monter très très haut en altitude. On a déjà eu le coup une fois, on voyait pas l'L4 à 3 km au-dessus, mais il était bien au-dessus de la BO. Faites gaffe à vous. Dragon 2, j'ai un L4 actuellement qui traverse au-dessus de la mer. Doc. CP à l'aide de retour. Ah ouais, gros CP, du coup j'ai un L4 là qui survole la PO. Un deuxième. A new follower. Salut là, bienvenue à toi, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Didi, sur Discord, ou jouer avec nous sur R6, sur LOL, ou sur notre jeu en communauté. Et YouTube pour revoir les lives et les gameplays que tu as ratés, que tu voudrais revoir. Merci à toi et bienvenue. Sur écoute. Est-ce que du coup, on peut revenir, vu qu'on est parti à l'hôpital pour une magie. Affirmatif, vous revenez, vous reprenez votre unité médicale. Ok, c'est reçu, on est prêt, on arrive. Ouais, Dragon 3, il fait demi-tour, à mon avis, c'est avec. Il fait un tour, il va passer au test. Cobrady, t'as besoin d'informations sur. On a deux personnes au niveau des otages. Une personne qui a la négo, une personne qui a le côté des otages, dans une petite maison. Il n'y a que ça sur zone, et du coup, il y aura apparemment un autre hélicoptère avec eux. Si, côté Cobrady, on a vu un hélico passer. Côté. Ouais. Si vous me prévenez, si jamais vous êtes prêt à agir, parce qu'en soi, si jamais, moi je vais voir les otages, le mec qui est à l'intérieur, je peux essayer de les atteindre. Bah, si, on va se mettre en position pour la PO. Et dans ces cas-là, le négo qui est à l'extérieur, il n'y aura plus qu'à lui mettre une tête. C'est reçu, je repasse sous l'eau, je serai indisponible pendant 5 minutes. Aïe! Hein? Ah oui, c'est sûr mon petit Victor. J'ai des crampes dans les mollets, moi. Bah oui, c'est pas étonnant, tu vois. Les docs ont toutes les unités pour la prise d'otage. Nous sommes d'actualité. Nous nous occupons de la PM. Toi qui es rentré pour CPA, bah voilà, t'y es. Oh, du coup,
pour tout, j'ai déjà libéré deux otages. Bon, il y a, malheureusement, il y en a un qui a eu un problème, donc il est pas réellement là. Le deuxième, il est avec moi, je vais le déposer au niveau d'Alpha, et puis bah, je pense qu'on pourra peut-être déclencher pour les deux derniers. Si c'est maintenant, vous me dites, hein, j'ai visé sur le pilote. J'ai visé sur l'hélico, hein, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ok, reçu. Non, là j'ai vu, quand ils font sortir les otages, le deuxième il sort. Ils sont tous dehors là, ils sont tous dehors. Tirez, ils sortent l'hélico. C'est maintenant ou jamais. Tirez, tirez maintenant. Si jamais les deux sont dehors, c'est que les deux otages n'ont plus... Les deux morts. Ok, les deux morts, allez, sécurité, les deux morts, HS, c'est bon. L'hélico est down, posé au sol de Sirli. Allez, pour les unités, c'est maintenant. Il y a les deux otages en plus dans l'L4, il faut aller les sauver. Putain. Merci. Bravo, Sir. Merci. Ah, non, mais je parlais pour moi en fait. J'ai cru que tu parlais pour moi parce que je sais que je suis talentueux, mais quand même. Enfin, bref. Grave, ils sont graves. Bon, formation, cherchez pas à sortir de pack s'ils sont morts, morts. Valide. Ah oui, mais on les a découpés. Oh, le collègue est tombé coma, les gars. Sur l'hélico. Oh, Neg, c'est le collègue. Attendez, là, je rêve ou... Je crois qu'il nous manque une personne, là. Je crois qu'on a un autre... Peut-être dans la maison, mais je comprends pas, ils sont tous sortis. Les gars, vous avez... les gars qui ont tiré là, vous avez fait combien de tirs s'il vous plaît? Deux. Deux ou trois. S'il y en a trois, parce que je crois que vous avez touché un otage, les gars. Non, il y a un otage dans la BM. Il y a un otage dans la BM. Il ouais, ouais, bien sûr, il y a un otage dans la BM, il y en a un autre dehors, et puis le troisième, je peux pas le sortir, je crois qu'il est tombé. Il a dû tomber avec le crash de l'hélicoptère, parce que moi j'ai tiré sur le copilote et Dédé et l'autre, on a tiré sur les preneurs d'otages. Ok, d'accord, non, bah, c'est bon en fait, du coup c'est bon, il a dû avoir un problème, il y a que moi qui le vois. Ok. Super, restez dans l'air et faites des chutes parmi là. Bon, allez, on remballe de Sian. Le site pour tous, est-ce qu'on récupère le L4? Si. C'est pas beau ça. Ah là 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 là. Yep, du coup, pour CPA, retour canal 4. Non, c'est la mienne, les gars. Merde. Ouais, casse-toi, putain, ou je te défonce. Passage canal 6, du coup, si. Ah, fi. Passage canal 6. Bon, bah, c'était rapide. Hein. Du coup, bah, je vais essayer de recontacter le ministre là pour la oil et voir ce qu'il veut faire. Et si jamais on go, bah, go oil. Ouais. Bon bah, la piole aura pas duré longtemps. Ah vie, on va passer par la DUA vite fait voir s'il a pris aussi les deux mecs du casino. Ouais. Merci Narulos, merci beaucoup. En tout cas, beau taf les gars, c'était beau. De belle que j'en ai. T'avais raison d'aider, hein, de leur demander si on pouvait tirer, parce que là c'était frais. Hein. Ah bah si, c'est soit maintenant, soit c'était on tire jamais. Hein. Oui, de toute façon. Wither, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Wither? Me dis pas que c'était toi. Vous m'avez tué. Excuse-moi mon bichou, excuse-moi. Ah, c'est dur. Ouais, c'était une belle PO, j'ai bien aimé. Moi, il y avait quelque chose, c'était c'est ça. Transmet. Du coup, j'ai vos deux lynx, vous voulez que je vous en dépose? Ah si, ouais, ça m'intéresse. Moi aussi, c'était cool en vrai. Non, franchement, c'était couillu de votre part. Moi, j'ai bien aimé, j'ai kiffé votre truc. Deux mecs en train de prendre 4 mecs en otage pour prendre des lynx et des donuts. Franchement, j'ai kiffé votre truc. Là. Franchement, c'est classe. J'ai bien aimé. C'est couillu, j'aime bien. Vous avez essayé de partir. Seulement, on était bien placé. Mais non, mais franchement. On a cassé, on arrive. Ok, on change. Bon, je reviens.
deux secondes, je vous quitte avec la webcam et au son, je vous laisse en jeu. Je reviens, John, à Jeff. Vas-y. Jeff, sur la route, on avait croisé une C63S noire, je sais pas ce qu'il nous voulait, mais enfin, je me demande si c'est pas caché. Ouais, la fille est derrière nous, là, elle a passé devant. Ah, tu t'arrêtes. On intercepte ou... Ah, ça nous demande de nous arrêter. Ah, on intercepte du coup, ah, ça nous demande de descendre les mains sur la tête, là. Ah, besoin, et ça nous code noir, c'est nous code... GDD coma, j'imagine. Ouais, GDD coma, là c'est nous. Sierra Lead pour l'ensemble des unités, code nord sur notre position, un véhicule qui vient de nous rafale, on a besoin d'aide au niveau de douane nord. Urgent. Merde. Putain, mais sans déconner. Est-ce que vous pouvez activer balise? Merci beaucoup. Putain, mais sans déconner quoi. Pourquoi je suis coma moi? Pourquoi je suis coma? Spider-Man, c'est con. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans les buissons. Qu'est-ce qui se passe? Flinguez tous. Y'en a un derrière la voiture. Ouais. J'en ai flingué un sur la route. Défoncez les capteuses là, vous avez l'avantage visible. Breaker précoce. Ah. Bon, bah j'ai pas fait gaffe. Attends, hop, je vous remets en pause. Ça déconne. Ils sont partis, ils ont allumé. Je sais pas. A voir. Bah oui, un pour ton collègue et un pour toi en fait. Poc. Tu verras sur la rediff. Hein? Ouais, j'ai chaud à côté. Quoi, Dédé? Non, du tout. Et quoi? A new follower. Salut Mold277, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue sur LF et sur Springfellow TV. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord pour faire des jeux communautaires en escouade, R6, Apex, LOL. Et YouTube pour revoir les lives que tu as raté ou que tu souhaites revoir. Ah, t'étais otage. Attends, il en reste plus. Ah merde! On a tout, on se casse, allez go! Putain, eh bah écoute, je suis désolé. Faut un poids sur le mur, tu vois. Je comprends pas comment vous m'avez touché, j'ai entendu que deux tirs de snipe. Bah ouais, en fait la balle a traversé le corps d'un des deux Pax et a dû toucher en fait. C'est ça qui est en train de se moquer derrière. Je pense. Attends, j'ai une valise sous la voiture, je peux pas la bouger. Parce que c'est moi qui t'ai tué? Attends, bouge pas. Bon, tu te ressors ou quoi? Y'a une valise sous la voiture. Attends, en fait, ça casse les couilles là. Oh la gueule, ouais. Ils sont morts tous les deux. N'importe quoi, je suis pas mort. Attends, les deux sont morts? Ils sont morts tous les deux. Sierra 2, vous allez aider les collègues. Rapidement, allez, hop, je prends la voiture, je vous rejoins. Mais il est con ou quoi, lui? Mais t'es sûr que Dédé, il est pas mort? Ok, gardez-le bien, celui-là. Dédé, il est pas mort, qu'est-ce qui... Dédé, il est pas mort, Yo. Ah bah soignez-le, je sais pas, j'ai quand même... On fait que ce qu'on fait. On est sûr. Gigaro commence à penser la tête. Gigaro, le bras droit. Ah, c'était un rallonge. Yuri Udenov. Pense la tête. Ah bah carrément, merci.
J'avance. Ah, Boris Krapanovich. Non, mais il faut qu'on foute des dés dans l'autre VL. Vas-y, go. Bon, bah, je regarderai dans les logs, c'est au pire. C'est pas grave. Oui, bizarre. Je regardais dans les logs qui t'a tué. Ah, oh, j'espère que c'est pas moi. Vas-y, on le pense. J'embarque. Vas-y, encore un peu, encore un peu. Attends, fais. Trop long, les gars. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Jason Blake. Je sais pas où c'est qui Jason Blake. Ah, faut m'expliquer le coup de. Les mains sur la tête, là. Oui. Ouais. Bah ouais, j'ai pas trop compris là. Rip, bah ouais, rip. J'ai pas trop compris là. Une journée. Hey, Jason! Jackson! Jackson! Reviens, Mounier! Jackson, viens voir! Moi? Ouais, bah toi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, explique-moi l'action, hein. Ah! Bah, t'en fous, hein. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, j'étais de base, en fait, j'étais en fight avec d'autres. C'était. Ah, mais vous étiez sur l'action avec moi? Bah, oui, c'est moi qui étais dans la voiture. Ah, c'est toi qui m'as tué? Non, c'est toi qui m'as tué. Ah. On est la première voiture, celle que t'es. Quand on est arrivé, tu nous as dit descendre les mains sur la tête et tu nous as rafale deux secondes après. Ouais. En fait. Ah, voilà. Ouais, bah du coup, moi, pourquoi pas, enfin, toi, t'étais pas là d'aider, je crois, mais non. En tout cas, j'ai pas compris. Alors, de base. Juste de pour base. Savoir comme ça. Ouais, y'a pas de soucis. De pourquoi base, t'as tiré en fait? De base, j'étais avec mes collègues et c'est eux qui vous ont dit de vous arrêter. De si vous descendez pas, bah ils vous rafalent en fait. D'accord. Et donc, ah, bah j'ai le rack hein, en tout cas si vous voulez. Ouais, mais moi aussi ça tombe bien parce que. Ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, du coup, bah voilà, ils m'ont dit. Ils vous ont... On verra ça. Ça va. N'importe quoi. N'importe quoi encore. Je sais pas, moi je t'avoue que ça va un peu sous les. J'étais tranquille ce qu'on usait, puis d'un seul coup, pouf. Bah, une voiture qui me dépasse, qui me dit ouais, descendez les mains sur la tête. Il descend, le mec il me fait t'as 3 secondes pour descendre. Je fais wow, wow, wow. Et j'ai un instant de connerie qui est longue, j'ai fait ouais, bah tira, code noir sans autre position. C'est quoi la fin du jeu? Je sais même pas, je connais pas. Je crois que ça doit être la. Ouais, je sais pas si c'est pas la secte de Jackson. Ouais, elle doit être année, mais Jackson Blake. Je suis pas, même pas d'infos. Oui, j'ai pas de. C'est bordel. Aïe! Je ne sais pas, mais un beau bordel. Ouais. Tant que c'est. Je sais pas, j'ai pas vu. Moi non plus! J'ai juste eu le temps de rouler un peu, de tomber coma, de me relever, de voir que j'ai cassé durant mon coma. Et quand et je suis sorti, j'étais sorti et bah t'étais par terre coma et moi pareil. Bah voilà. Ok. Écoute, pourquoi pas. Alors. On dégage le taser qui pue la merde.
Mais c'est pas la 7? Je sais pas. Je connais pas, moi. Si, je crois que c'est la 7. Bah là, faudra qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont tiré, quoi. Parce que là, je comprends pas. Descendez les mains sur la tête. Non. Ok. Et tire. Artyom. Ah oh, putain. Ouais. Il y a le Syrah, quoi. Il y a le gars du Syrah qui t'a défoncé. Ok. Oh. C'est le bordel, là. Donc en fait, ils sont venus de descendre du véhicule, les mains sur la tête, et ils ont tiré. Ensuite de ça, ouais, quand ils sont descendus, ils l'ont répété, je crois, une fois, et ensuite de ça, ils ont tiré, ouais. Mon petit couteau. Et c'est pourquoi cool. C'était quoi le motif? Vive RP. Bon. Voilà. On va engueuler Artyom DD. Ah bah carrément. Hein? Oh, il vient de défoncer. Je viens de recevoir un alors de mon mec et qui j'ai envoyé un message il y a 10 minutes. Alors? Bah écoute, ouais. J'ai pas vu ton message depuis 10 minutes. Alors quoi? Alors RCO. Je sais pas ce qu'il me veut lui. C'est le mec qui avait dit que j'avais un peu. Le mec il a dit ouais, on a conclu un pacte. Bah ouais, mais mon coucou, je te demande de me ramener des infos conscientes, tu me ramènes que dalle, qu'est-ce que je t'aide moi? Alors, tac. Et on est bon, je crois. Et on est bon. Et hop. Et petit bandage par-ci, par-là. Moi, je suis ok. Pareil. Oh, my God. Quoi, tout ce bordel? Au téléphone. Ah merde, ouais. Téléphone. Pas trouvé là-dedans réellement. Ouais. Pourquoi ça te dérange? Non, mais cette voiture-là, j'ai pas confiance. Pourquoi? Alors, attends, qu'est-ce... il est pas trop tard, merci pour tout. Je me prends un téléphone. Juste où est la secte que je m'y mette au travail? Alors. Eh ben, bonne question. Je te la pose.
blanche sur l'excès de vitesse sur la route principale. Elle a flashé à 258 km. On va essayer de s'en occuper, on a actuellement la suite de qui est en train de travailler. En avant, sifflotons, mon petit Jeff. Merci, mon petit Lycan, de ton abonnement. Merci beaucoup. Bienvenue à toi dans la famille, dans la communauté. Merci. Oh. Merci, Thibaut, de te répondre 3-0. Maintenant sur ton live, c'est pas possible. Oh là là, merci Thibaut de ton don, merci beaucoup de ton abonnement, de ton don, merci beaucoup, ça fait plaisir les gars. Bienvenue dans la communauté, bienvenue dans la famille Springfellow. Toujours plus de DD. Ouais, ça fait plaisir, merci beaucoup les gars. Alors pour la maison des scorpions, ça vous intéresse? C'est évidemment. Merci à tous. Cette photo là. Oh, stylé. Quoi? La photo dans le dossier de Franck Castella. Vous y amenez si vous voulez, ils sont pas actuellement. Merci Thibaut, merci beaucoup. Merci mon petit Thibaut, merci beaucoup. Ça fait plaisir ton petit don, merci à toi. Merci. Merci Thibaut, c'est classe. Il n'y a pas mon petit message qui s'affiche, ça m'inquiète. C'est pas ton notif. Hein? De Viper Lead. Quoi? CPA Lead. Attends, attends. Attendez, ma moto, elle part. De quoi? Merci beaucoup Thibaut, ça fait super plaisir. Merci de me soutenir, merci de m'aider à m'équiper pour des meilleurs lives. Merci beaucoup Thibaut. Du coup, t'as réussi à ton... ce fameux fond vert non j'ai acheté faire tomber, là. non j'ai fait ouais bah rigole pas donc là j'ai eu l'objectif de donation pour le siège là il y a maintenant le fond vert qui est parti en objectif le chromaqué alt tab donc voilà là le fond vert coûte 155 euros voilà. Et après, on est bon. Après, la carte d'acquisition PS4 pour faire des lives et des gameplays sur PS4. Et après, on a tout l'attirail nécessaire. Et après, c'est parti pour des lives. On va faire que ça. Eh ben. Bon. Il y a beaucoup d'heures et de temps passé sur la jeu, tout ça. Eh ouais. À l'écoute de ce palier. On va dire que tu fais. Je me mets juste pour ça. Pour que tu fasses venir, on peut voir tout comme ça. Et après, je pense qu'on va faire un petit mieux, comme ça, on va parler. Il y en a le 4. Ouais. Ouh. Pas ta cagoule, Dédé. Non. Je suis incognito.
Merci mon petit Thibaut, ça fait plaisir. Merci Niaiken. Ouais, parti. Oh, quel con. Oh, le blaireau. T'inquiète, je l'ai. Oh putain, le blaireau. Bonjour. Un cadeau. T'es arrivé? Je sais pas. Un cadeau? C'est quoi le cadeau? C'est ça. Oh, récupérer ça. Oh, c'est quoi, génial. Quoi? Tiens, bah, il m'a donné un cadeau, vas-y. Ah ouais, c'est vrai que t'es gris, toi. C'est bizarre. J'ai oublié de manger cette semaine. C'est Perlis pour Viper. Ouais, putain, faudrait peut-être que tu commences à manger. Hein. Oh, alors, pourquoi tu déprimes? Ah, désolé, je te recomme. Tout va bien sur vous? C'est parce que je t'ai quitté, c'est ça? Alors, ça c'est ce que j'ai fait. Hein? J'ai commencé une grève de la faim. Pourquoi? Parce que je t'ai quitté? Ouais, affirmatif. Oh merde. Ça marche bien ta grève de la faim. Ça marche bien. Putain. Ta batte de baseball. Pas le ramadan, vraiment une grève de la faim. Ouais. Super. Et on t'avait pas déposé cette batte de baseball. Bah excusez-moi, mais j'ai un métier moi d'enfoiré. Eh, tu sais, tu sais quoi? Tu sais quoi? Ah. Non, rien. Je rêve. Eh, c'était Canal 6. C'est reçu. Il m'a donné un faux papier. C'est ça, du coup, Jeff, vous êtes fait tirer dessus, ça? Ah, ok, d'accord. Ouais, bah écoute, ça arrive tous les jours comme ça. Ouais. Il y a une formation avant ou pas? Parce que nous on a pas trop compris en fait. Ouais, bah les mecs sont arrivés, ils ont gueulé les mains sur la tête et puis ensuite de ça ils ont tiré. D'accord. Regarde ça putain. Ouais, votre voiture est à la BA du coup. Mais qui... Ah bah nice. Bon, parce qu'on a pas chômé du coup, on les a un petit peu sanctionnés les mecs, par contre on a pas réussi à les choper vivants. Oh merde! Oh putain, mais non! Oh putain! Contre la mur des policiers en plus! Là. Oh là là là. Vas-y, pisse le mur! Pisse contre le mur! On s'en fout! Pisse contre le mur là! Pisse-leur contre le mur, ces enfoirés là! Ils m'ont mis 3,5 millions là, d'amende là hier! Vas-y, allez! Ah les poulets! Vous êtes pas là ou quoi les poulets gars là? Comment ça se passe là? Y'a jamais personne là quand on a quelque chose à vous dire! Je voudrais déposer plainte là! Fini de gueuler là! Poulaga là. De CPLED pour une unité là. Viper. Oh, on est actuellement en poursuite d'un VL en refus d'obtempérer. Un des packs détenait un L4. Il se dirige actuellement vers Trini. Si vous voulez envoyer une unité. C'est ça. Et casse-toi, marin pêcheur. Il est apparemment non armé. On ne sait pas s'il y a des armes. Qu'est-ce villes. Qu'il y a, toi? Ils sont partis. J'avoue, il y a whisky dans la BA. Ouais. En train de porter plainte. Je rêve. Pas dans la BA, les civils. Oh. Là, t'as eu la gueule que t'as, toi? De mon chemin, toi. T'as eu la gueule que t'as, toi, sans déconner. Et l'autre, il me parle de BA, tu sais. Donc, de Viper Lead pour CPA, on prend votre appel, on vous rejoint sur votre position. Après, CPA, merci. Il y en a de toutes les couleurs ou pas? Bon. Félicitations, Artyom. J'ai analysé la balle qui a tué l'otage. C'est la tienne. Félicitations. Ah, super, merci. Attends, depuis que tu... C'est vrai, ça, Dédé? Ouais. C'est moi qui ai tué l'otage, oh merde. C'est Artyom qui l'a buté. Dédé. On a pas fait exprès par contre. C'est un truc, est-ce que tu peux mettre la format TE là? Je l'ai pris une l'otage. Bah là du coup je sais pas si je vais te la merde vu que tu tues des otages. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi? Ah mais retire-moi ce biret de PD. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais non les gars, mais non. Mais non! Mais non! Bah quoi? Y'a quoi? Y'a quelle couleur encore? Pourquoi c'est parti en couille dans Il reste quelle couleur? Y'a blanc aussi? Ah voilà! Mais non! Mais...
Mais non, vous avez pas assez à me le convertir. Ah, mais Dédé, tu t'es sur Canal 6? Ouais. Tu pourras me passer ma format médic? Non. Impossible. Ouais, va voir Dédé toi si peut te la mettre ta petite promotion. Là. On va oublier. Dédé. Quoi? Tu peux me mettre adjudant chef et ma forma médic s'il te plaît. C'est celui-là ou c'est un autre? C'est ça, mais lui il a eu une promotion aussi en fait. Mais il était pas là. Ah, oh, il est beau. C'est quoi ta formation? Formation médic et adjudant chef. Ah, bah, faut aller voir Lobin après. Tu viens me voir. Maintenant? Tu viens d'en boire, je te la mettrai après. Ah, là, je peux voilà, pas là. On est d'accord là. Là on est. Jamais il y en a un bleu, je vais le chercher. Ouais, il y a un rose aussi, les gars. Il est figé, il est mauve, violet fluo. Tu prends le rose. Bah alors, tiens, ah non, je sais pas ah si. Non. Allez, prenez un rose, les gars. Allez, frangin. Mais on s'en fout, on prend un. Pour quelque chose, n'importe quelle couleur, allez, gros. Prends le noir, toi. Ok. Ouais, je vais avec toi. S'il vous plaît. Malikoum, salam. Salam, malikoum, s'il vous plaît. Ouais, ça entre. Hein. S'il vous plaît, la. Ouh, bonjour, toi, belle gazelle. Toi, faire chameau, échange mouton. Moi, te casser la gueule si tu me reparles comme ça, c'est ma femme. Hein. Moi, baiser toi. Mmh. Non, arrêtez là. Quoi? Toi, dégage, toi, avoir parlé ah, du nez, toi. Femme. Toi, moche, oh, t'as c'est nu. Ma femme. Allez, attends, toi, reste avec moi, toi. Hop, toi, dehors. Ah, viens toi, là, moi. Femme, toi, venir dans moi, toilette. Maintenant. Je veux porter plainte, hein. Je crois que je vais porter plainte contre vous. Hein. Allez-y, monsieur, pas de problème. Moi, déjà, prison, moi, m'en foutre. Ouais, ah, excusez-moi, sais. Monsieur la police. Du coup, je veux porter plainte, hein. Allez. Toi, avoir sac à dos, même couleur que moi, bonnet. Toi, avoir déjà point commun c'est avec vous. Moi. Je vous entends pas, hein. Y'a personne qui a un rôle. Allô. Mm-hmm. Oh putain, j'y crois pas. Allô. Oui. Non, mais mm-hmm. Oh, toi, avoir votre homme. Ah, je bois beaucoup de whisky. Oh. Moi, partir. Hein. En fait, Maslim, changez d'avis. Moi, laissez-toi ta femme. Ah, merci. Oh, viens, Mounier. C'est pas vrai. C'est une blague. Quoi, non? Non, mais salam. Attends. Malikoum, salam. Je veux vous parler en privé, là, parce qu'il y a un truc qui cloche, là. Il a pris un peu trop de drogue ou de sucre. Venez avec moi. Non, moi, avoir peur. Moi, vouloir femme, elle. Mais elle, voix d'homme, moi, avoir peur. Moi je suis un biscotto, regardez mes biceps. Hein. Je vous prends. Bonsoir, ça va. Allez, Dédé, personnellement. On va aller dans le conteneur parce que là, pour discuter, ouais. C'est pas top. Si on a une ou deux unités qui peuvent céder à soigner. C'est quoi, c'est des méchants? Des méchants qui ont tiré. Oh, quel dommage. Ah, j'ai pas ma forme médic. Surtout celui là-bas, là. Colonel. Ouais, je suis là. Excusez-moi, mais je pense que votre grade vous a chauffé le ciboulot, là. Bah, un petit peu, là. Hein je vois la vie en bleu. En blanc, I never girl. Oh, fallait venir à l'apéro, c'était trop bon. Ah ouais, on a bu du whisky, on a bu la bière et on a bu du rhum. Franchement, nickel. Ouais, j'étais pas invité, effectivement. Nickel. Mais non. Pas moi. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Ah là ouais, il a un problème avec toujours le même là. Comment il s'appelle l'avocat qui travaille au casino Oh, Cordias.
Cordias, là. Forte tête. Hein. Il conteste les décisions du ministre. Il conteste les papiers présentés par le ministre. Tout un merdier pas possible. Hein. Donc le ministre demande qu'à l'occasion, une petite fouille comme ça, de ses locaux, de ses entrepôts, de ses caisses nombreuses. Soit faite. Une fouille à l'improviste, toi. Tu vois ce que je veux dire? Soyez effectué histoire de calmer un peu ses ardeurs. Ouais. Vas-y, on va. Mais qu'est-ce qu'il est beau, Dédé. Donc, j'étais en train d'expliquer au colonel. Comment il m'a pété les couilles. Voilà. J'ai oublié de parler doucement. T'imagines, Dédé, j'ai failli sortir le mot magique pour. Monsieur le ministre, qui me sorte. Par contre, vous baissez d'un ton parce qu'on vous entend de loin, en fait. Bon, attention. J'ai beaucoup d'argent, vous entendez comme si vous étiez... Et Schtroumpf bleu. Oui, grand Schtroumpf. Voilà, exactement, t'as tout compris. Eh, d'ailleurs, ouais, c'est le grand Schtroumpf, il a le truc bleu, tu me le donnes. Excusez-moi, monsieur le ministre. Dans votre chapeau. Je vous parle deux secondes. Fille-moi ton chapeau, c'est pas grave, je perds pas au champ. Je l'avais sur la tête hier. Peu en prioritaire et après, toi, si tu veux. Ouais. J'en peux plus. Tu lui parleras après. Bon. Une petite charge, si vous pouvez demander ça. Alors, ouais, donc le Cordias, faut s'en occuper, quoi. Personnellement, là tu vas demander à Whisky. Pour information, le nom de code de Didi, c'est grand Schtroumpf, c'est reçu pour tirer. Rien de la sécurité, Romain. Attends, je vais te dire le message, tu m'as envoyé. Quand j'ai dû partir. Bon, ils sont un peu chiants sur les choses qu'on leur a demandé. Genre, les pays, ils nous font porter également, donc bon, ça passe sinon pour le reste. On te transmettra un rapport pour toutes les infos. Je dois rien laisser. Il m'a cassé les couilles. Mais c'est le patron de la LCO, lui. Je sais pas. Il fait quoi, lui? Co-directeur. Donc il est co-directeur, avocat et employé au casino. Ok. Et il paye des impôts? Bon. Bah, j'espère. Connais la chanson? Écoute, on va s'occuper de. Mais il a pas nagé un petit peu avec les dauphins, lui, déjà? Mais si, il y a quoi, il y a 2-3 jours? Oui. Je comprends pas là. Tu bouges pas. Il s'appelle Jackson Blake. Bon. Bon, ça va, Jane? Ça va et toi? Et Chita, il va bien? Tu sais qu'il m'a emmerdé sur un papier fait par le gouverneur lui-même? Parce qu'il y avait pas le tampon, il y avait rien. D'accord. Je teste. Bah écoute, on va s'en occuper. Il fait un outrage. Ça aussi, il récupère la radio, voir s'il y a quelqu'un sur sa frec. Ah ouais. Il se prend pour qui en fait, lui? Il a failli porter plainte. Alors, monsieur, je vous explique. T'imagines? Mon collègue ici présent va pointer son arme sur votre temple. Il veut quoi, lui, en fait? Je sais pas. Si vous faites un jeu de bruit, il cherche quoi? Il veut quoi? Il a pas compris qu'en fait, il risque plus sa vie à faire ça qu'autre chose. Ouais, je pense que non, il a pas compris. Non, il a toujours pas compris, je crois qu'il a un peu. Ouais. Bon, écoute, bah écoute, on va lui mettre la petite pression psychologique qui va bien. Je te remercie, vraiment. Hein? Moi, j'en peux plus. Ok, bon, alors, nom de code DD, voilà. Et sinon, quand j'ai mon bonnet, c'est Grand Schtroumpf. D'accord. Ok? Grand Schtroumpf quand j'ai mon bonnet. Et toi, tu seras ma Schtroumpfette. Ah, c'est bon. Allez, vas-y, je vais te prendre. Bah, reste là. J'ai fini avec. Comment ça, c'est notre punition? Bah, allez. Comment ça, c'est notre punition de porter ce chapeau de meuf? Hop, nouveau dossier, nouvelle impact. Ouais, Sierra, on dégage. Je suis pas pénible. J'ai ma chance avec vous comme adjudant. Oui, monsieur, tu voulais me voir? Waouh, il y a chapeau violet et tout. Waouh, tu m'as dit que. Oui, ça t'a plu, hein? Faut que tu prennes sa plainte parce que je peux pas t'apprendre sinon. Non, il a demandé à engrader. Ah non, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu es dit. T'as plu? Si il veut pas, tu peux y aller. Oh là là, les petits chapeaux là! Bon, mais si, je vais prendre un chapeau. Ça parle de thunes, il est toujours là, Mike. Non, rien. Un mouloud. J'adore ces chapeaux. Putain, c'est beau comme ça, général aussi là. Mais que je voudrais derrière, c'est pas. Ça m'énerve là, je suis ébahi là. Dédé, c'est. Comment dire? Bah, ouais, mais grâce à ça, on a eu des informations. Ouais, voilà. C'est une punition pour eux, c'est ça? Alors, à la BA, oui.
Et sur le terrain, c'est une couverture. D'accord. Oui. Voilà. En plus, c'est bien des chapeaux de meuf, hein. C'est vraiment parfait. Donc, si vous entendez parler du gang des Schtroumpfs, c'est nous. Dédé et Whisky te font un rapport par rapport à un gars. Parce que moi, je peux mettre tous les accès. Ils te font un rapport sur un monsieur qui commence à dépenser les... Je leur enverrai. Moi, prends toi. C'est Araxie. Ouais. Il avait pas la... Il a failli attaquer le... Mike. Dis-moi, c'est quelqu'un. Attaquer qui? Tu lui envoies le lien. Pour quelle raison? Parce qu'il est jamais là, le gouverneur, donc il est pas contre un mec qui est pas là. Ouais, c'est ça. Il fait rien, le gouverneur, donc il fait... Oh non, elle a fait quoi, là, du coup? C'est parfait, le gouverneur. On avait aussi plein d'air, tu vois, de... Je crois que vous, voilà, monsieur. Tu vois, les mecs... T'es qui, toi? Alors... Ton pire violeur. C'est quoi? Je crois que vous parlez pas de sortir. Mais c'est moi. J'ai du violet dans les toilettes. T'es qui toi? Violet dans les toilettes. Où les toilettes vite fait? C'est fermé. Moi aussi je vais aller aux toilettes. On va faire un dragon avec. Pas du tout. Explique-moi. Je vais voir un truc. On peut serrer les mains, on se touche ou non, du coup c'est Yuga, il va quand même. Bah allez. Il a failli, il a déjà. Bah il est parti ton mec. Oh merde. On est obligé de te garder. Ça ne me dérange pas. Ouais, ouais, c'est bon. Non, non, je suis regardé, du coup, c'est bon. T'as pas trop. Ah, ok, salut. Là, tu parles d'une recrue, tu vois. Tu peux pas. Quoi? Dites-moi, c'est laquelle des deux personnes qui a tiré, s'il vous plaît? Ouais, bah, évidemment. Ouais, rentre là-dedans. D'accord. Monte sur la table et danse. Ça va, recrue. Ta beau, t'es bonne. Allez, danse. On est assis devant la brigade tout à l'heure. Tout. Voilà, on va faire et moi, on est retourné à l'hôpital à Cavala. C'est le cas qui avait ma Bah non, enfin on a pris votre R6 quoi. Parce que le souci bah, c'est qu'il y a... Apparemment il y a le Strider Medic qui a volé avec un petit problème, donc je sais pas c'est lequel des deux quoi, mais... Mais je vais le répéter, ça fait 30 fois que je dis, mais nous ce qu'on a vu c'est la sécu civile qui a des 5 sur le Strider Medic, le Strider Medic qui s'est craché la gueule par terre, et nous on est passé à côté genre... 3 secondes après en fait. Et pour Octavien, il dit que c'est nous. Et moi, je suis persuadé qu'on ne l'a pas touché en fait. Le stress. D'accord. Donc, je sais pas. Moi, s'il faut que je qu'on rembourse, tu me dis, je suis la billette, puis je m'en fous, tu vois. Mais pour moi, c'est pas nous quoi. C'est pas nous. Enfin, je pense, j'ai pas trop. Ah, mais comment tu fais pour sortir si c'est faire ma clé? J'ai pété le carreau. Ah, t'es une mauvaise salope ça. Quoi? Bah, allez, je te raccompagne bien. Apparemment, la sécu civile est arrivée après quand il y a eu des combats. Ah putain! Non, mais il y a un tao de la sécu qui est passé comme une. Salut Spring, alors comme ça, on vient pas chercher le camion illégal? Alors pourquoi? Bon, j'ai fini un billet. Si ça. C'est quoi? Bah, c'est qui? C'est quoi? C'est ces villes là? Ma tatane, les gars, là. C'est pas normal qu'il y ait des civils dans cette putain de BA! Hop là. Arrête où je te mets un coup de gueule. Fais gaffe, hein. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a des civils dans cette putain de BA là? Bah moi je suis ici parce que je cherche quelqu'un. Après, ouais, enfin je suis en train de soigner les mecs. Oh le one, je vais t'en mettre une. Hein. Ah, c'était pas. Bah, attends, je vais s'arrêter ça. Colonel... Ah non, pourquoi les camions légales? Je vois pas de quoi tu parles là, Jico. Comprends pas. Ouais. Bah j'ai pas le temps. Ouais, c'est vrai. Bon, viens, c'est vrai. Il verra ça avec le policier. Viens. En tout cas, merci de votre intervention. Au revoir. Hein. Ouais. Non, mais viens. Putain, plaisir. Ils ont parlé. C'est elle qui t'a tapé? Ouais. Mike, aide-moi. Enfin, elle, lui, on sait. Ouais. Mike, aide-moi. Allez, les gars, vous débrouillez avec. Enfin, vous en occupez, je vais plus avoir. Ah, mais Whisky, t'as pas pris ta fin de service? Ah non, depuis tout à l'heure. Ah non, t'es avocate toi? Comment? T'es avocate toi? Mm-hmm. Vas-y, viens. Et tu m'as tapé.
T'es avocate et tu m'as tapé avec des témoins. Allez, aidez-moi. C'est pas Mike. Ah, le mec anorexique, pas mal. Maxime. Ouais, mais... Je suis pas sûr que tu vas pouvoir te marier. Pourquoi? Mais mettez pas ça dans la bière, mettez ça avec... C'est toujours d'actualité ton mariage? Je sais pas pourquoi. Et tu captes les antennes porno avec ça ou pas? C'est des menaces? Oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien justement, ça le problème. Ah, tu veux que je te fasse un truc? Ouais. Trouve-moi des infos. Ouais. Ah ben moi j'ai tellement d'infos, ouais, ouais. Tu sais même pas. Mais justement. Là, tu me reçois? Français. Des blagues de merde. Pourquoi est-ce qu'il y a un caméra encore sur le toit là? Je sais pas, ça fait le troisième que je dégage. Ouais, mais il commence à s'oublier, c'est toujours la même. Et du coup, il s'est passé quoi pour que les avocats privés n'aient plus le droit de venir ici? Je crois que c'était le ministre, il est avec. C'est pas votre place ici en fait. Et peut-être que c'est maintenant vrai, il peut dégager. Si on cherche des clients, comment on fait? Bah t'attends dehors, je te les ramène. Ah, bah allez, madame, 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 monsieur, là, dehors. Madame, madame Dupré. Donne-moi des infos, sinon tu... T'as compris? Oui, mon capitaine. Non, colonel, madame. Ouais, bah bien joué, écoute. La caméra, elle est dans le dos. Hop, attendez, je déconnecte. Ah bah, si tu veux, j'en ai plein, hein, mais bon. Mais bon, quoi? Vous inquiétez pas, j'ai confiance à vous, mais c'est pour... Tu préfères ça, peut-être? Du coup, je... Comment? Tu préfères quoi? La bombe entre les jambes qui fait pfiou, ou mon long morceau qui fait pfiou. Alors quel long morceau? Alors Julien Hoc, ancien PDG de la Diamond Company, ah, d'accord. A viré. L'autre il est personnel. Le co-PDG. Alors? Je sais pas parce que dans mes souvenirs je sais qu'il fait mal en fait. La fille. Celui-là? Ouais. Ah celui-là il fait très mal. Bolwan. Ouais. Tu seras l'avocate la mieux payée de cette île. Oh, ah tiens, on parle de toi. Ah c'était moi ça. Bah c'est un aperçu de toi plus tard. D'accord. Regarde, c'est sympa. Ça s'appelle avoir le feu au cul. Donc du coup. Ok. Donc du coup. Bon, Loan. Soit je fais de toi l'avocate la plus riche de l'île. Soit t'auras le feu au cul comme lui en fait. J'ai déjà la plus riche de l'île. Non. J'ai 4 milliards. Ouais, super. J'ai 2 millions, je suis contente. Voilà, c'est génial. Voilà. Donc soit tu travailles pour moi, soit malheureusement, je serai obligé de te quitter. J'ai pour grand tour. De me séparer de toi. Et Ryan, je pense qu'il pourra plus se marier. Non, je trouve correct. Quelle tristesse. S'il a encore son béret, hein. S'il a plus de béret, à bientôt. Réfléchis à ma proposition. Jeff pour DD. Transmet. Bon, il reste 11 minutes. Est-ce qu'on se préparait pas pour la musique et le petit cheveu? Peut-être pas la musique, mais pour autre chose. Parce qu'il y a Whisky là qui est disponible. Loan! Loan! Quoi? Viens! 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 Elle touchait pas ma femme, hein! Ta gueule, toi! Hop, t'as pas de micro, t'as pas de caméra, c'est bon, allez, viens. Attention à toi. Je sais, de toute façon, on est jamais. Sur le toit. Putain, mais j'ai le droit d'aller à la bière. Bah, t'es avec moi là, donc là, t'as bon. Il y a le général et tout ça, il y a même. Dans les containers au fond, il y a juste. Un peu déçu. Mets-toi là. Oui. Mouloud. C'est Mohamed. M'en fous, c'est pareil. Allez, à côté. Qu'est-ce qu'il y a, mon colonel? N'Golo, à côté. Sierra, sur le toit. Ah ouais. Sierra, sur le toit. Vous avez le droit de participer à la danse de Sierra. Pop, ça va, ils t'ont laissé en vie. Déjà là, du coup, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Hein. C'est Whisky! C'est officiel, je fais partie des Sierra maintenant. Ça dépend. Si tu acceptes ma proposition. Moi aussi, je peux faire partie ou pas? Viens, en plus, toi, tu fermes ta gueule et tu sautes. Toi. Qu'est-ce que tu fous là? Toi, t'es qui toi? Mouloud, dégueule. C'est Titan, je suis en train de déposer plainte parce qu'il y a une histoire à 100 millions là. Bah, ah bon? Ah oui, c'est le Premier ministre. Je suis en train de. Bon, mes enfants! L'heure est grave. J'en ai un à côté pour toi là.
Je suis content d'être revenu parmi vous. Je suis fier de faire retour dans mon unité. Voilà. Pourquoi tu t'en vas, N'Golo? Reste là. Reste là ou je t'arrache ta barbe. J'ai pu faire le tour de Viper, j'ai pu faire le tour de Cobra, et je me suis aperçu que Viper sont nuls à chier. Le problème, c'est qu'on a des effectifs dans Viper qui sont pas à la hauteur de la police. Surtout un certain N'Godo. Ils savent pas tirer. N'Godo. N'Golo. Est-ce que quelqu'un avait whisky? Je suis là. Il est là-haut. N'Golo. N'Golo. Tu m'as fait un poème qui t'a sauvé. Qui m'a beaucoup touché ce soir. Merci, le sang. Merci, N'Golo. J'ai envie de te passer adjudant, mais je ne peux pas. Mais j'en parlerai à ton chef d'escouade. Putain de merde, ça me casse les couilles. J'ai mis des canons. Allez, tu peux sauter un rappel. Bon. Attendez, j'étais en train de prendre la plainte du monsieur là. Vous venez quoi du coup, monsieur? Ouais, allez-y, monsieur Mohamed Abad, caméraman à deux balles. Allez, allez, casse-toi. Allez-y, venez avec moi. Ah, tout ça parce que c'est un arabe, c'est ça? Exactement, allez, casse-toi. Ah non, je suis noir. Connais la routine, hein. Salut les bons. Ouais, salut. Bon. Me voilà de retour parmi vous. Madame Dumblé, ici présente, est avocate privée. Sierra. Quoi? Je suis Sierra. Non, t'es rien du tout, toi. T'es un mec avec une bite entre les jambes, avec une mini-jupe. Bon, elle est avocate privée. Comme vous pouvez le savoir, elle a pas mal d'informations. Donc, je lui ai fait une petite proposition. Je sais tout. Et j'espère qu'elle va accepter. Qu'est-ce que tu fais, toi, Maxime? Sortie, c'est là-bas. Regarde, on a besoin de toi en bas. Regarde. Je vais regarder. Donc, du coup, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va travailler différemment, comme je vous ai dit. Vous m'entendez au fond là-bas? Ouais, on t'entend. Bon, on va travailler différemment. D'accord? On va travailler différemment. On va faire les choses différemment. On va être beaucoup plus propre. Et on va surtout faire notre travail conjointement avec certaines personnes qui n'auront pas le choix de travailler avec nous. D'accord? Malheureusement, Cordias nous chie dans les bottes. Chie dans les bottes du gouverneur et chie dans les bottes du ministre. Donc, ça, c'est intolérable. Cordias, tu le connais, Johan? Déjà, tu m'appelais Johan, alors c'est un manque de respect. Lohan! Oui? Tu connais Cordias? Oui, je connais. Voilà, nous avons le lien avec lui grâce à elle. Messieurs, la police a un nouveau visage. À nous de l'enrichir. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bon repos. Et je vous donne rendez-vous demain, en forme. Et surtout, avec mon ambition. Mon général! Que vous êtes beau là. Oh là là, qu'il est beau le général, hein les gars? Oui, il est très beau le général. La team Schtroumpf attaque dès le premier jour. Pas du tout. Mais, l'avocat là, je t'ai déjà dit que j'avais du 12-7 en arme secondaire. Pourquoi est-ce que tu me provoques? Je te provoque pas. Je t'ai pas entendu là? Mais c'était une blague, je fais des blagues. J'aime l'humour. Donc voilà. Des blagues, généralement ça coûte un chargeur. Hein. Sierra. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, général. Si tu veux la blague. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai fait une connerie sur le site, j'ai mis 15 millions au lieu d'un 1,5 million au niveau du livre des comptes. Ça, c'est bizarre, t'es pas le premier à dire ça. C'est bizarre parce que dans Viper, ils font beaucoup de millions quand même. Hein. Ouais, mais du coup, là j'ai mis 15 millions, donc c'est très possible de retirer un 0 SVP. Non, il faut que tu formes 15 millions. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Non, allez, s'il vous plaît. Non, t'as écrit 15 millions, tu nous dois 15 millions. Ah. Ouais, mais ça me fait quand même chier un peu. S'il vous plaît. Tu verras ça avec le nouvel officier, tiens. Merci, mon général. Félix, ça fera un million. Putain, ils sont en train de s'en sur Technocord, je sais pas trop quoi là-bas. Vous êtes qui, vous? Oh, ton supérieur va me faire un tour ça de BA. Je rigole, vous voulez que j'en parle? Voilà, femme. Libère mon IB. C'est bien. Eh, hey, fiston! C'est soit tu éteins ta putain de radio, soit c'est moi qui vais l'éteindre d'ici. Allez, Albert. Allez, David. Attends, je te fais la bise. Allez, on fait la bise. À bientôt. Bon, allez. Tu viens, Whisky, tu fais le débrief. Allez, bisous. Je peux m'en occuper, si vous voulez. En vrai, je vous aime bien. Descends sur votre crâne. Voilà, vous êtes. Voilà, t'es bon, frère. J'aime quand on fait mal. Attention. Non.
Vas-y, par contre. Vas-y. Bonjour, messieurs, je suis en plus de vas-y, c'est à mes couilles, vas-y. On a mis le retour. T'as le couille. Ouais, on y va. Après, j'ai celle-là. Oh, crâne d'œuf. Ouais, Blake, mais ici, là. Blake Jackson, reviens. Ouais. Si tu parles mal dans un BA comme ça, toi. Hein pourquoi tu parles mal dans un BA, là? Il a pas le temps de finir. Hein. Ah, mais t'es, je vais avoir des boss. Et pour ce. Christian, tu veux que je te la mette dans la tête, celle que je pense, ou pour que je te montre que j'ai des couilles ou pas? Non. Ok, alors la prochaine fois que tu viens ici, c'est à quatre pattes et tu dis merci Jésus de donner cette belle police. T'as compris? Il est malade. Je suis pas un susbit. Aïe! Bah, à partir de maintenant, tu le seras. Pas du tout. Y'a plus de radio, tu peux éteindre. Ah mais ma radio. Ma voiture là. Qui c'est qui a reçu une rafale là? Oh, alors on a un problème. Y'a plus de radio. Eh monsieur, détérioration de bien privé là. Oh là. Oh, quelle est votre matricule là? Monsieur. C'est quoi ces rave parties de toxicomanes qui prennent de la drogue devant la BA là? Ma voiture. Ah bien. T'as lâché une rafale. Bah j'ai cassé la radio. Oh putain, j'ai cassé la radio. C'est reparti, je mets pas la radio. T'es civil, tu vas me donner cette musique de merde. Cette musique de merde. Bon. Voilà, et la soirée se termine. Il y a 2h30. Hein. Sur. Hop. Voilà, merci à tous d'avoir été présents ce soir, excusez-moi. Voilà, merci à tous d'avoir été présents sur le rendez-vous quotidien Altice Live France 20h minuit, comme d'habitude, de la déconnade, du sérieux, des actions et surtout aussi beaucoup de trolls, surtout enfin pour décomposer un petit peu de la soirée. Merci à tous d'avoir été présents en début de soirée pour la cérémonie des grades. Merci beaucoup. Merci donc à Mister Thibault, merci Stevers, merci Smoke, merci Lop, merci Moll, merci Nyken. Merci bon Popo, désolé Popo, t'as volé, mais t'as été banni. Papy Joss, Elewen, Lucen, Narwen et tout le reste. Merci à tous pour vos subs, merci pour vos dons. Merci à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord pour jouer en intra-communautaire sur LOL, Apex, R6, enfin tout ce que vous voulez. Merci aussi de participer à l'objectif de donation pour acheter le toile à fond vert chromaqué qui est en description, en point d'interrogation, en vie. Merci à Thibaut de ses dons. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Rendez-vous demain 20h pour altislivefrance.com 20h minuit ou dans la journée pour du LOL ou du R6, voilà. N'oubliez pas de venir sur Discord et demander de vos rôles, très important pour pouvoir accéder au channel vocal. Voilà, écoutez, merci à tous, ça fait super plaisir. Je dis pas assez merci, mais merci à tous pour tout. Bonne soirée, prenez soin de vous, sortez couverts, à demain. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté.
Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.